Et bonjour à vous, bienvenue à nouveau sur le live atelier du jeu vidéo. Je vais démarrer directement dans les leçons interactives. On va continuer en fait ce qu'on avait commencé sur la leçon 5. On avait mis en place, en suivant la leçon, le décor, on avait vu un petit peu les caméras, on avait juste commencé à placer des objets qui vont interagir pour découvrir en fait la chambre des mystères. Donc en gros, c'est une chambre qu'on a créée, qui est cachée, et il va falloir interagir avec le décor et programmer le décor pour ouvrir le passage secret. Voilà. Donc je vais enchaîner directement. Donc avec la leçon 4. Et après ça, on repassera un petit peu sur programmation libre pour tester ce qu'on a vu tout à l'heure avec le nodon attache coulisse libre qui nous permettrait de trouver une alternative pour déplacer notre pad. On verra ça après. Voilà, déjà, on va recommencer, enfin on va continuer plutôt. La leçon numéro 5, on va aller au terme, hein, je pense qu'on va faire toutes les étapes. Et donc on va se concentrer sur la caisse. Donc il faut le nodon, détruire objet. Ça c'est quelque chose aussi que j'avais complètement zappé. Où est-ce qu'il est? Détruire objet, il est là. Et c'est parti. Salut Pyrax, Twitch. Twitch, Pyrax Twitch. Bienvenue. Alors, donc le fameux nodon, détruire. Objet qui nous permet de détruire des objets et que je crois que j'ai complètement zappé quand j'étais en programmation libre sur mon autre petit projet là où on faisait rouler une petite boule. Hop, toujours des problèmes avec la manette. Allez, c'est parti. Donc on va régler ça pour qu'il soit relié, je pense, à la caisse et qu'on puisse la détruire quand on tape dessus. Visible, donc on va le mettre en invisible pour pas le voir. Moi, je vous conseille, quand vous faites de la programmation libre, hein, à le faire... à garder les propriétés de ces objets en visible, justement pour bien comprendre soit les hitbox, soit... attendez, détruire quoi, voilà. Pour bien comprendre en fait l'impact des hitbox. Donc on va sélectionner caisse. Où es-tu? Où est la caisse? Elle est là. En programmation libre, non Pyrax, là actuellement je suis en train de poursuivre en fait les étapes de la leçon 5 et je vais alterner après avec différents petits projets où on teste des nodons. Donc j'ai démarré un petit programme pour simuler un déplacement de pad type Arkanoid, mais on va modifier les choses parce que j'ai utilisé un enchaînement de nodons qui n'est pas forcément l'idéal. On peut faire mieux. Et donc, je vais retourner après pour utiliser une autre manière pour afficher ça, quoi. Donc voilà, j'alterne un petit peu. Hein, et puis l'idée, c'est aussi de découvrir un petit peu, d'avoir un tour d'horizon de tous les nodons disponibles. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de paramètres. Il y a beaucoup de liaisons un peu plus ou moins complexes. Donc... En gros, ce qu'il faut retenir, et ce qu'il faut que moi je retienne aussi, c'est très important, quand on veut détruire un objet, on va se servir de la fonction destruction d'objet, détruire objet à l'objet qu'on veut détruire. Et en fait, ce qui se passe, on le voit bien, enfin, je vous montrerai en programmation, mais plutôt que de parler de ça, je vais faire l'enchaînement. En fait, ce nodon prend vraiment la forme. La hitbox est vraiment apparemment, je crois, il est vraiment collé sur le type d'objet. La fonction permet de se coller parfaitement à la forme de l'objet. Donc, on peut faire ça en attachant un capteur de contact à l'avant du bonhomme. Alors, capteur de contact.
D'accord. Mais c'est ça que j'avais. Oh, c'est peut-être ça que j'ai oublié aussi dans mon autre projet. Parce que là, en fait, le capteur de contact qui va être réglé, posé sur le personnage, lui, on va le placer, bah, par exemple, sur la tâche. Lui, on va lui dire quoi? Sur la tâche. Point d'attache. Sélection point d'attache. Z+. Et Z-. En gros, ce qui va se passer, c'est quand on va donner un coup, on va s'assurer que la hitbox soit bien placée au bon endroit du personnage. Vérifier quoi? Voilà. Donc en fait, ce qu'il faut bien relier là, c'est avoir un nodon pour détruire l'objet et avoir un capteur qui repère l'objet. Voilà, le nodon capteur, on va l'attacher au nodon bonhomme. Et de cette manière, lorsque vous appuyez sur la caisse, elle émet des grincements. Il faut s'assurer que le bonhomme lance bien un coup de poing. Parce que là, si on fait que ça, en fait, si on touche la caisse avec le bonhomme, ça la casserait. Et donc on va rajouter une autre condition. Donc, nodon bouton, le Y. Donc quand le nodon capteur de contact et le nodon bouton émettront tous les deux un signal en même temps, ça signifiera que le bonhomme aura donné un coup de poing sur la case. Donc on va utiliser aussi le nodon et. Voilà. Et on va l'ajouter. Nodon et, il est dans milieu, comparaison, dans logique. Donc c'est parti. Allez, on va relier les deux ensemble. Entrée 1, entrée 2. Et de cette manière, le signal sera envoyé au port de sortie, connecte le port de sortie du nodon. Ici, c'est-à-dire qu'en gros, il faut le faire plusieurs fois, hein. Tout ça, il faut vraiment l'activer plusieurs fois, refaire plusieurs exercices. Pour que ça soit activé, il faut qu'il reçoive le signal et le signal est émis si le personnage touche la caisse et si en même temps on appuie sur le bouton Y, ce qui déclenche l'animation. Et donc ça va nous donner l'illusion que on donne un coup de poing sur la caisse et que ça détruit la caisse. Désormais, un coup de poing du bonhomme devrait détruire la caisse. Allez. Voyez, maintenant là, je peux toucher. Ça détruit pas. Si j'avais pas le E, ça le détruirait. Ah, ça c'est intéressant. Si on faisait en sorte qu'il faille donner trois coups de poing. Je me posais la question justement par rapport à des shoots. Comment on allait faire pour simuler le fait qu'un boss, par exemple, ou un type de monstre nécessite plusieurs coups. On va compter en fait tout simplement. Il va falloir. Mais oui, il faut pouvoir compter combien de fois la caisse a été touchée. On va prendre le nodon compteur. Mais oui, en fait, c'est tout à fait logique. Il est où? Il est là, le bon compteur. Donc on va le régler sur 3. Non, 3. 3, 3, 3, ça ira. Mode, pas de limite. Série de valeurs. Dans la section compter, choisis au passage de 0 à différent de 0. Chaque fois qu'un coup de poing va toucher la caisse, le compteur diminuera de 1, il comptera de 3 à 0. Oh, ok, on peut faire comme ça. Je pensais qu'il fallait rajouter un nodon d'inversion, mais non. C'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment faire les tutos, faut vraiment aller lire les docs. Donner un coup sur la caisse, mais ne cède pas qu'à cela ne tienne deux autres coups pour en venir à bout. Ah mais oui, il a un port diminué, c'est vrai, d'accord. Alors on va supprimer la connexion ici. Et on va rajouter ici qu'on va mettre sur diminue. Je l'ai mal mis.
Ah, mais mon pad, s'il te plaît, arrête. Voilà. Chaque coup de poing donné sera soustrait à la valeur de départ. Il ne reste plus qu'à s'assurer que la caisse soit bien détruite quand le compteur atteint à 0. Et donc, on va faire une comparaison. Comparaison. Égale. Nos dons constantes. Et oui, parce que quand on compare, il nous faut toujours deux valeurs. Donc lui, on va le mettre à 0. Et salut Hydra Hug, rebonjour. Donc on va connecter le compteur ici en entrée 1 et la constante en entrée 2. Donc on récapitule. La caisse est reliée à un odon destructeur. Le capteur est réglé sur l'objet caisse. Et donc, ce capteur est relié au perso, ça veut dire que si le personnage touche la caisse et qu'on appuie sur Y en même temps, parce qu'on a le nono, et ça active le compteur ici, qui va passer, il va passer de 3 à 0. En fait, à chaque fois qu'on va donner un coup, on va retirer 1 au compteur. Et lorsque... et en fait, à chaque fois... Ce signal va être envoyé là pour comparer la valeur. Et donc, si on a 3 égale 0, ça ne marchera pas, il n'enverra pas de signal. 3 égale 2, etc. Et quand on aura 0 égale 0, dans ce cas-là, il déclenchera la destruction de la caisse. Ok. Donc, c'est vraiment tout ce type de raisonnement qui n'est pas forcément, qui paraît simple comme ça, mais qui n'est pas forcément évident à trouver quand on part de 0, quand on a une feuille blanche et qu'on. On a juste dans notre tête cette idée de dire je veux que quand mon bonhomme fasse ça, il se passe ça. Des fois, ça nécessite justement tout ce raisonnement, toute cette suite de réflexion. Et c'est pas forcément quelque chose d'évident, c'est pas forcément intuitif. Il y a des gens qui vont avoir plus de facilité à faire ce raisonnement. Pour d'autres, ça va être plus compliqué. D'autant que, je le rappelle, on a vraiment beaucoup de nos dons. Donc des fois, c'est pas évident de savoir... Quelle fonction utiliser à quel moment. Du coup là tu fais les cartes, non? Non non, on est dans le dans la leçon. 1, 2, 3. Alors ce qu'il faudrait c'est qu'on rajoute des petits sons à chaque fois qu'on donne un coup. Là ça serait bien. Je sais pas s'ils vont nous parler de ça. Notre petit mécanisme de destruction de la caisse est prêt à l'emploi, mais il manque un petit quelque chose. Quand le bonhomme frappe sur la caisse, on dirait que ça ne lui fait rien du tout. Voilà. On va rajouter un son. À mon avis. Et oui, je suis toujours là parce que j'ai pas beaucoup avancé. Depuis que j'ai coupé le live, j'ai pas continué après. Revenons à l'art. Donc là, en fait, c'est ça. Hein. Là, c'est du sound design pur, c'est-à-dire comment donner l'impression qu'on a une interaction. Et là, pour le coup, il faut rajouter du son. D'ailleurs, c'est ce qu'il nous dit. Ajoutons un effet sonore. Et ça, faut jamais oublier ça dans vos jeux, quels que soient les... Quels que soient les outils que vous utilisez, que ce soit des frameworks, que ce soit des outils comme atelier de jeux vidéo ou d'autres choses, il faut toujours penser à ça quand vous bougez un objet, quand vous avez un objet qui est en contact avec quelque chose dans votre décor. À un moment donné, il faut toujours donner des indices sonores au joueur pour lui faire comprendre qu'il s'est bien passé quelque chose. Quand on appuie sur une touche, quand on donne un coup de poing, un coup de pied, quand on tire... Ça a l'air de rien, mais c'est un peu comme au cinéma. Hein. C'est 50% de l'histoire qui se... De la crédibilité de l'action, elle se passe par le son, quoi. Intéressant. Dans les séries aussi, genre anime, il y a des musiques, mais des ambiances, ou quoi, un perso fait une action, genre bois. Voilà, tout à fait, c'est exactement ça, Hydraeus. C'est vraiment... C'est extrêmement important, faut jamais négliger ça. Coup moyen. Choc, choc. On a des bruits de choc. Ah bah voilà, très bien, c'est cool ça. Coup faible, coup moyen. Donc là, ça va être ça. Coup moyen. Il y a aussi la musique avec des paroles. Refermons les paramètres. Donc ouais, oui, c'est vraiment extrêmement important. Et là, vous allez voir, ça va dynamiser le truc.
Connecte maintenant le dodon et... Ok. Donc en gros, aux lectures, hein, pas volume. Donc quand on frappe la caisse, quand le bonhomme est près de la caisse et qu'on appuie sur le bouton Y, donc on déclenche le coup, le signal envoie ce coup ici. Le signal envoie au compteur, ça renvoie à la comparaison et surtout ça joue le son. Salut Norwaz, je viens d'arriver, tu fais quoi? Bah écoute, je suis en train de faire la leçon sur l'escape game dans l'atelier du jeu vidéo. Hydra-Hug, mais bon, dans Ruby, il y a des openings et des endings durant les combats, des scènes incroyables et je trouve ça cool. Alors, d'ailleurs, vous voyez en fait, naturellement, hein, si on rajoute le son, si on rajoute l'animation du coup sur notre bonhomme, il y a un son qui est déjà intégré de base. Et là, voilà. Vous voyez, si je fais ça, là. Et là, tout de suite, ça rend vachement mieux. Donc voilà, une fois encore, très bien fait au niveau pédagogie, c'est vraiment bien, il touche à tout, hein, au game design, au sound design. Ils expliquent des notions qui peuvent sembler évidentes, mais qu'il faut rappeler, qui sont très très importantes. Appelle un effet... Ah bah on rajoute même de la fumée, ça, oh là là, la classe. C'est où déjà ça? Effet type fumée, c'est dans sortie? Non, c'est là. Émettre. Non, c'est objet spécial, tiens, effet. J'en ai pas beaucoup utilisé des effets. Hein. Alors, fumée. Donc, en plus de tout ça, on va rajouter de la fumée, je pense, alors au moment de la destruction. Oula. Probablement. Tuc, tuc, tuc. Elles sont vraiment bien. Ça parle du perso, de ses pensées. Hydra-Hug, ça, c'est par rapport à ton... Oui, à l'animé dont tu parles. Ah, mais non, mais c'est clair, le sound design, hein, c'est... C'est comme dans les films, hein, c'est la moitié du travail aussi. C'est un gros gros boulot, hein, le sound design. Il y a des jeux qui peuvent être vraiment un petit peu décevants au niveau du feeling parce qu'on n'a pas un bon sound design. Récemment, j'avais testé R-Type, par exemple, R-Type Final 2. Je trouvais que, justement, au niveau du sound design, il y avait des manques assez flagrants. Des choses que je trouve pas très très bien faites, qui nous sortent du jeu, qui nous empêchent l'immersion. C'est hyper important, hein, vous voyez tous les jeux Nintendo par exemple, enfin, il y a énormément de jeux. Hein, observez ça avec les jeux que vous aimez bien. Essayez de remarquer dans les jeux que vous aimez bien quels sont les effets sonores que vous aimez bien et comment ils se déclenchent et vous allez voir que vous allez en voir beaucoup. La position de l'effet. Position de l'effet caméra et monde. Désactive ceci. Salut Nail. Nail NDI, bienvenue. C'est pas vraiment un anime, j'ai dit c'est une série. Ah ok, d'accord. Mais tu peux aller voir hein, depuis, donc... parfait, referme les paramètres, c'est parti. Je l'ai peut-être déjà vu passer, remarque, mais je n'ai pas regardé. Ce matin, tu avais 1570 abonnés, maintenant tu as 1600... oui, tu avais raison, ce matin, ta chaîne avait... Oui, elle avait explosé, la chaîne. Ah ok, d'accord, c'est pas... Oui. Bah c'est de l'animation quand même, donc on peut parler de... La 3D, moi je mets ça un petit peu dans le... On va dire dans le même sac que l'animation finalement. Donc on va faire de la fumée. On va faire de la fumée, attache le nodon effet au nodon objet. Où es-tu au nodon effet déjà? Objet chic type de caisse. Chic de type... Wow, Oui, on va faire ça. Il veut que je le mette là. Le nodon est à l'effet. Ah d'accord, ok, ça y est. Ah, ça y est, j'ai capté. En gros, une fois encore, quand on tape la caisse, qu'on appuie sur Y, en même temps, le signal joue un son. Il nous fait tout le calcul pour savoir si la caisse a encore des points de vie et donc n'est pas encore détruite. Et on va avoir un petit effet de fumée. Alors l'effet de fumée, on va l'avoir à chaque coup, hein, je pense. Allez, go! Boum! Yes! Vous voyez tout de suite, hein, comment ça change
Alors Hydra Hug, après j'ai montré ça à une amie, elle m'a dit que les graphismes ressemblaient à ceux d'un jeu vidéo. J'irai jeter un œil. Je regarderai sur internet où est-ce que c'est diffusé déjà. Bon. Donc là, c'était vraiment une étape vraiment intéressante parce qu'on a fait du contact, des hitbox, du sound design. Et c'est des choses auxquelles il faudra penser à chaque fois, hein, dans tous les jeux. Allez, on va voir le complément d'information. Je te conseille aussi les trailers, c'est des bouts d'histoire et des combats surtout. Ok, bah je regarderai par curiosité. Le meilleur animé, c'est Fate. Il va y avoir un battle de. Alors, vous voyez là, ici, on a un capteur, justement. Ça, on l'avait vu dans un autre tuto, dans une autre leçon. Et vous voyez là ce petit carré blanc devant le personnage, bah en fait c'est le capteur qui va permettre de savoir quand est-ce qu'on touche un objet. Vous voyez là je le touche, mais s'il faut que j'appuie sur Y pour donner un coup. DBZ One Piece. DBZ. Ok, ça va parler d'animé, moi je vais te larguer. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? J'imagine que tu veux savoir pourquoi le nombre a augmenté quand tu as frappé le jet, pas vrai? Bah oui. On veut bien savoir qu'est-ce qui se passe, monsieur Nodon. Quand je reçois une entrée dans chacun de mes ports, j'envoie un. Et les nodons qui me fournissent ces entrées sont le nodon bouton. Essentiellement, si il y a une pression sur Y, j'envoie un signal au nodon P. Et il envoie également le signal au nodon bonhomme sur le port action, ce qui permet de déclencher l'animation en fait du coup. Quand je reçois ce signal, j'exécute une action. Dans ce cas, c'est un coup de poing. Alors je vous rappelle, hein, on verra ça en programmation libre, mais il y a 4 animations préprogrammées pour le bonhomme. Alors évidemment, on ne peut pas créer ses propres animations. En tout cas, j'ai pas vu de quoi faire. Mais voilà, c'est pas l'atelier de jeux vidéo ne vous permet pas de faire. On peut faire des rotations sur des objets, on peut faire pas mal de choses là-dessus, mais on ne peut pas créer des animations. Si on veut faire ça, il va falloir utiliser un petit peu les assets, en gros, le bonhomme. Hein. Par contre, en revanche, le bonhomme, on peut s'amuser à le modifier. Hein. On peut tout à fait. Alors, lui, graphiquement, on peut tout simplement retravailler les textures, en fait. Voilà. Ce sera jamais aussi précis que si vous utilisez un framework, que vous faites les choses complètement par vous-même. Mais. On va pouvoir quand même modifier des choses. En tout cas, on va pouvoir donner à des jeux des looks très différents. Et moi, ça m'intéresserait justement d'essayer de faire quelque chose plus en pixel art, parce qu'on peut, hein, on peut refaire toutes les textures. Donc, on peut s'amuser à donner un look, un feeling un peu différent aux jeux. Les jeux, il y a beaucoup de jeux qui vont se ressembler, parce que quand on utilise de base tous les assets, forcément, hein, si on utilise l'OVNI et le bonhomme, voilà, d'un jeu à l'autre, ça va se ressembler. Et quand on va commencer à travailler les textures, là, vous allez vraiment pouvoir donner un feeling très très différent à tous les jeux. Donc, ça donne l'impression que le nombre passe de 0 à 1. Donc voilà, ça, on a bien compris. Le compteur augmente quand le coup de poing touche. Si je donne un coup de poing dans quelque chose, en général, c'est parce que je vais le détruire. Donc on nous reparle encore de sound design. Non détruire objet, tu dois détruire le bloc que quand un coup de poing est donné.
Donc on va connecter le « et » ici. Quand un coup de poing touchera le bloc, l'objet avec nombre sera détruit. C'est rigolo, garde l'animation, j'avais pas fait attention à ça. Yes. Fait super héros. Un seul coup de poing suffit, c'est pas drôle, on m'a appuyé dessus qu'une seule fois. Tu pourrais faire en sorte que nous devons détruire objet. Donc on va faire comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Il faudrait qu'un signal soit envoyé au nom de détruire objet après plusieurs coups de poing. Et donc après le et on va compter hein. C'est ce qui va se passer. Faisons en sorte que la destruction se produise après 3 coups de poing. Ok, on vire tout ça. Monsieur Nodon Compteur. Ah bah non, j'ai même pas besoin de l'appeler là, on est vraiment dans le complément d'information. Si vous avez besoin de compter, vous pouvez compter sur moi. Ah ah ah. Le Nodon détruire. Si, ok. En d'autres termes, le nom compteur va compter combien de fois l'objet avec nombre reçoit un coup de poing. Alors comme c'est un nombre, objet avec nombre, en fait, il va aussi pouvoir nous afficher, hein, justement. Donc ça peut servir en même temps de débugage. Quand il y a comparaison, il y aura a priori tout le temps une constante. On a besoin d'une constante et on a besoin de comparer la valeur qu'on reçoit en faisant toute cette série d'actions. Voilà, la destruction aura maintenant lieu après 3 coups de poing. Hydra-Hugum, je ne sais pas quoi dire. Et bah, et tu peux ne rien dire aussi, en fait. Alors, 1, 2 et 3. Essaye d'imaginer ce que fait chaque nodon à l'écran de programmation et comment ils travaillent ensemble. N'hésite pas à utiliser l'icône réessayer pour recommencer. Bah, c'est ce que j'ai fait. Je devance tout. Je devance tout. Hop là. Alors, tu peux aussi me poser des questions si tu veux. Exact, exact. Après, quand je suis concentré sur les nodons et tout ça, c'est un petit peu difficile de faire des dons en même temps. Mais bon, est-ce que t'as une Switch déjà d'ailleurs? Salut Akamebox, bienvenue à toi. En 3 coups de poing, je suis détruit par le nodon détruire objet. Après, j'imagine que t'as peut-être certainement une Switch. Non, t'as pas de Switch, ok. Parce que j'imagine que quand il y a une vidéo sur un jeu Switch, il y a beaucoup de gens qui sont venus au début aussi parce qu'ils se demandaient s'ils allaient l'acheter ou pas, ils voulaient le voir tourner, ce qui est un petit peu logique, c'est le principe, c'est le but aussi des streams, c'est de voir l'outil tourner, ou le jeu tourner. Ok, on va continuer. T'as une Wii U, ouais, c'est une des seules consoles Nintendo que j'ai pas eu, je pense. À l'époque, ça m'a pas botté plus que ça. J'ai récupéré une Wii. Akamebox, tu te souviens de moi hier? Est-ce que t'avais le même pseudo Akamebox? Et oui, pour te répondre, c'est sur Switch. Tu te souviens que la dernière fois, on a programmé une caisse qui peut être détruite à coup de poing? Exact. La voilà. Pim. Elle cache un code secret. Drax, t'as une Xbox 360, Xbox One 360, PS2, PSP, PS3 et un PC. Eh bien, il est bien équipé.
Moi, j'ai juste un gros PC et la Switch en fait. J'ai pas de Xbox, pas de PlayStation. En même temps, voilà, pas de PlayStation et pas de Xbox tout simplement parce que si j'ai un gros PC, j'ai la plupart des jeux finalement. Les quelques exclus PlayStation, ça m'intéresse pas tant que ça finalement. Et salut Régis, bienvenue à toi. Régis est un con. Bienvenue. Ah oui, j'avais le même pseudo hier, c'est trop bien l'atelier de jeux vidéo. Oui, bah écoute, je suis désolé, je me souviens pas de ton pseudo, je sais pas pourquoi. Bah, j'ai vu plein de pseudos hier, m'en veux pas. Désolé. Alors, donc nous allons programmer le cœur de notre énigme, c'est-à-dire le code caché derrière la caisse. En gros, voilà, pour cette escape game, bah, ce qui va se passer, c'est qu'on va péter la caisse et derrière, on va poser en fait quelque chose qui sera un code qui nous permettra d'ouvrir la fameuse porte secrète. Alors, de quoi on va parler? Nous allons créer un code basé sur les propriétés d'un dé à 6 faces. Ah, c'est cool, on va utiliser les dés. Il y a un objet dé qui est plutôt bien fait. D'accord, le Doki Doki sera sur Switch. D'accord, j'ai pas vu ça. Tu sais quand est-ce qu'il sort? Appelle un de nos objets chic. Objet chic, c'est parti. Les objets chic, c'est chic. Rectangulaire, hein, puisque c'est un dé. Voilà. On va le placer là. Comme on dit, tac 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 tic. Et c'est parti. C'est pas grave si tu t'en souviens pas. Et après, je sais pas si on avait beaucoup échangé. Peut-être que t'as pas écrit aussi, peut-être beaucoup de textes. Hein. J'essaye de lire un peu tout le monde, mais salut Lulu, YouTube, ta voix me dit rien du tout. Eh ben, c'est normal. Norwaz, moi j'ai essayé de l'émuler comme Mario Kart 8, mais ça marche pas sur Yuzu et Rubix, c'est les émulateurs. Oui, je connais Yuzu. Il y a un autre émulateur que Yuzu. Yuzu, pourtant, il est assez efficace, me semble-t-il. Hydrahug, le 30 juin, j'ai dit. Ok, d'accord. Et c'est le plus car le. Ok. Régis, oui, c'est un jeu de programmation. C'est un jeu en fait qui permet d'apprendre des notions, des fondamentaux de programmation. C'est un petit peu en fait comme si on posait plein de fonctions au lieu de les programmer en code pur. Là, on a des fonctions qui sont toutes faites. Et il y en a beaucoup. Et on peut vraiment faire beaucoup de choses. Il y a évidemment des limitations, hein, mais alors attendez, place le nodon. Le dé, on va le placer ici. On va ouvrir les paramètres. Visible et solide. Je faisais l'inverse, moi. Et moi, mon pseudo te parle. Ah, mais oui, Régis, c'est un con, c'est un pseudo qui me parle beaucoup. Mais bon, voilà. J'étais un fan des nuls, donc forcément, ça me parle. Mais pas que, parce que je sais que je sais où on s'est vu, Régis et Tag. Enfin, on s'est vu, on s'est pas vu en vrai, mais. On peut quitter les paramètres. Allez, quittons les paramètres. Salut Akamebox. Salut Kouroche, bienvenue. Au pire, je te mettrai quelques vidéos sur Discord. Ok. Ok. Akamebox, ton jeu est gratuit. Non, mais il y a une version démo. Si t'as une Switch, en fait. Tu peux télécharger la version démo et tu as la première leçon qui est disponible. En revanche, je ne pense pas que tu puisses faire de la programmation libre, c'est-à-dire avoir ta feuille blanche et poser et t'amuser à créer from scratch, quoi. Ah oui, Ryujinx. Ah, d'accord. Donc en fait, Norwaz, là, ce que tu me dis, c'est que. Parce que moi, je voulais peut-être tester justement sur l'émulateur. Parce que. J'ai essayé de brancher ma souris là sur la Switch et ça marche pas. J'ai pas réussi à faire fonctionner ça. Et puis mon pad déconne un peu. Et travailler avec une souris serait quand même vachement plus cool. Et je pensais aussi surtout au fait que si je pouvais l'utiliser sur émulateur, j'aurais les moyens de vous mettre les messages YouTube et Switch et Twitch sur OBS. Là, vous pouvez pas voir vos messages. Je pourrais mettre la webcam aussi, ce genre de choses. Même si, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, la webcam en général, je m'en sers pas. Mais le fait de pouvoir voir au moins vos messages, ça c'est quand même sympa. Et apparemment, donc tu me dis que ça ne marche pas, quoi. J'ai la Switch Norwaz, mais j'ai pas envie de payer 30 euros, même si moi je peux avoir le jeu à 20 euros. Ah bon? Pourquoi tu peux l'avoir à 20 euros? Du coup, t'as pas de questions à me poser. Je sais pas. Est-ce que tu programmes d'ailleurs? Est-ce que ça t'intéresse? Parce que comment t'en es venu toi à chercher
un live sur l'atelier du jeu vidéo. Ça, ça m'intéresse. Alors, donc on a posé les dés. Et oui, il faut détruire la casserole. Pim, patch. Ok, puis là, en fait, on va bouger les dés et ça va être le code à rentrer, je pense. Il y a maintenant 3 dés encastrés dans le mur. Ils sont tous les 3 orientés de la même façon et montrent chacun leur face à 2 points. 2-2-2 n'est pas un code très intéressant. J'ai juste trouvé le jeu sympa. D'accord. Ouais, en général, mais tu t'intéresses, j'imagine, je sais pas. Est-ce que fabriquer des jeux vidéo, c'est quelque chose qui t'a déjà traversé l'esprit ou pas du tout? Il y a un YouTube que j'aime bien qui en a fait une vidéo dessus. Un YouTuber, j'imagine. D'accord. On a aussi joué avec... Oui, je me souviens. Second Extinction, que j'ai toujours gardé. D'ailleurs, je l'ai toujours pas effacé. Parce que je l'ai pas relancé depuis qu'on a joué ensemble. Alors, axe Y, rotation 180. En même temps, en ce moment, j'étais beaucoup en programmation, l'UA, et je ne sais pas trop de devlog, donc c'est pour ça que je faisais plus trop de live aussi. J'essaie d'en faire régulièrement, j'en ai fait un petit peu sur Biomutant il y a pas très longtemps. Et puis j'ai continué à y jouer offline, en fait. Parce que quand je fais des tests pour Team Player, j'aime bien m'écarter justement du côté live et me concentrer vraiment sur l'univers du jeu. Et le jouer dans les meilleures, c'est pas les meilleures conditions, mais immerger à fond, ne pas être détourné par autre chose. On referme les paramètres, pardon. Est-ce qu'il faut des notions de dev pour y jouer? Régis, attendez, j'ai vu que je change mon compte Nintendo dans le pays où le jeu est le moins cher. Ah, ok, d'accord, mais Oise, je savais pas que le jeu était moins cher. Ah, bah si, en max, si tu l'achètes. Par exemple, si tu te mets en Amérique du Nord, s'il est effectivement à 30$, par exemple, si tu te mets au Canada, au Québec, si tu le mets à 30$, il va être moins cher finalement. Je sais, j'ai pas regardé. Régis, est-ce qu'il faut des notions de dev pour y jouer où il y a un tuto? Alors, en fait, il y a plein de tutos en fait. Là, je suis en train justement de faire la 5e leçon. Je suis pris en main là. Hein, on crée en fait un prototype de jeu. Tu vois, là il me dit ouvre les paramètres, fais ci, fais ça. Mais voilà, ça permet justement d'avoir des notions, de comprendre. Donc, on parle de game design, de level design, de sound design, de programmation. Alors, c'est de la programmation, c'est pas de la programmation en ligne de code, mais c'est quand même de la programmation dans le sens où on pose une fonction, on la relie à une autre, on utilise des comparateurs, des objets logiques, des capteurs et. Et tout ça, en fait, ces leçons permettent de... Il y a une leçon qui permet de faire un début de platformer. Il y a une leçon qui permet de travailler sur une notion de shoot 'em up. Là, c'est une notion d'escape game. Donc, il y a de la construction en 3D un petit peu. Et ensuite, voilà, on a la programmation libre. Je vais te montrer après, justement, les jeux qu'on peut faire. Des protos qu'on peut faire. Et c'est assez riche. Hein. Je pense qu'on va avoir des très belles choses à arriver avec ça. Alors, dans la section rotation, axe Y, on va mettre 90. Salut Célio. Attendez, c'est des tutos. Donc, Hydraug hein, qui me disait que donc, tout le gameplay, c'est des tutos. En soi, tout le gameplay, c'est des tutos. Alors, là, c'est des tutos. Hein, sinon, il y a autre chose. Salut à toi Célio, bienvenue. Kourosh, et maintenant, tu es devenu un fan de jeu. Tu fais 2 lives par jour de lui. Non, salut, tu as eu 300 abonnés en plus, peut-être pas. Kourosh. Oui, mais je fais beaucoup de live dessus parce que ça m'intéresse. Si vous suivez un peu, hein, je fais pas mal d'apprentissage, de développement en ce moment. Donc, ce jeu fait partie des trucs intéressants à faire. Salut Forever. C'est la première série de live en 7 épisodes que je vois sur ta chaîne. Oh non, il y en a eu d'autres. Ah, en moins d'une semaine, oui, mais là j'en profite. Là, c'est la fin de semaine. Donc. Les devlogs, c'est fini. Alors non, Kourosh, les devlogs, je vais en reprendre. Mais là, actuellement, j'ai changé de framework. Je travaillais plus sur le TIC 80. Je travaillais avec le Love 2D. Donc voilà. C'est pour ça aussi que j'en ai plus refait. Là, je travaille sur un Sokoban actuellement. Donc je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Régis, c'est un concept de l'algo, on dirait du Graph 7. Alors en fait, c'est un peu comme si on posait des fonctions. Hein, et ces fonctions, on peut régler déjà plein de choses dedans. Donc voilà. Anto FGS, Mario Maker en sueur. Bah après, c'est très différent. Mario Maker, c'est vraiment dédié. C'est plus dédié sur du.
on fait plus du level design sur Mario Maker, alors que là vraiment on a plus cette notion de faire à la fois du level design, du game design, de la programmation, on va dire, je sais pas comment on peut appeler ça, de la programmation objet ou de la programmation, c'est pas de la programmation en ligne de code, mais ça, c'est plus proche de ce qu'on fait quand on programme aussi, quand même. Il y a des jeux qui marchent sur une juke et Yuzu. Donc tu me dis, Norwaz, que visiblement, en tout cas, pour l'instant, l'atelier de jeux vidéo ne fonctionne pas sur les deux émulateurs que tu as testé, quoi. J'essaierai quand même. Et après, ça peut être une question de jour ou de semaine. Hein. Je crois que Joop, qui a une chaîne qui s'appelle Tu y as trop joué, avait eu des soucis pour émuler Ghost and Goblin sur les émulateurs, justement. Et que ça avait été réglé. Je sais qu'il avait fait un live il n'y a pas très longtemps, il en avait reparlé, il avait remontré un petit peu ça. Et l'émulation était, avait été réglée. Les problèmes par rapport à ce jeu avaient été réglés. Je pense que il y aura moyen de faire. Ça se trouve d'ici peu de temps, ça ira mieux, quoi. Donc voilà. Donc les dés montrent tous une phase différente. On a un 5, un 3 et un 1. Donc a priori, ça ferait quoi, 9? Le 1 est en rouge. Peut-être qu'il faudra le soustraire de l'addition du 5 et du 3. Je sais pas ce qu'ils nous ont prévu. En l'état, ça ne va pas suffire à résoudre l'énigme. Eh oui, il faut mettre des indices. On va ajouter un simple bloc à notre code, le non-objet type bloc. C'est parti. Hop là. Ça fait 135 peut-être. Oui, ou 531. Oui. Ou 5 x 3 x 1. 5 x 3, quoi. Norwaz, ça dépend des PC ou de l'update de l'émulateur. Ah, ok. Bah, il faut vraiment que je le teste, alors. Faut que je le teste. Faut que je le récupère, déjà, parce que la ROM, je l'ai pas. Moi, j'ai téléchargé le jeu. Enfin, j'ai acheté le jeu. Mais la ROM, je l'ai pas, en soi. Alors, pardon. Fais en sorte qu'il dépasse du mur. J'ai pas capté. J'ai pas écouté. J'ai pas écouté. Fais en sorte qu'il dépasse du mur au même niveau que les dés. Mais comment je fais? Faut que j'appuie. J'ai appuyé comme un. Comme un. Ah! Bon, je vais faire. Il est où mon truc? C'est lui? Ah non, c'est lui! Oh, pardon. Je l'avais pas déplacé encore. Alors attendez. Ouvre les paramètres. C'est ça le truc. Faut être concentré. Hein. Section propriété, fait en sorte que seules les options visibles et solides soient activées. Donc on vire ça, on vire ça, on vire ça. L'objet peut pas être détruit, il peut pas être bougé. Il est juste solide et il est visible. Allez, on repasse en vue de côté. Le 1 est en rouge et les deux autres en noir, c'est bizarre. Bah en fait non, c'est ce qu'on a défini, hein. On peut changer la couleur aussi de nos objets. Alors attendez, je fais une copie du nodon objet et place-le ici. Tac, tac. Ouvre les paramètres. Bleu pâle. Tu vois, en fait, on a une série de couleurs qu'on peut choisir. Ce sera parfait. Tu peux refermer tes paramètres. Merci bien. Nous avons terminé avec l'affichage du code secret. Alors qu'est-ce que ça nous donne? Mais qu'est-ce que c'est mystérieux? Il faut que tu marques Game Wheel Garage X pour trouver le nom. Parce que si tu marques le nom du jeu en français, tu trouveras. Ah oui, je me doute. Game Build Garage. Ils n'ont pas traduit littéralement le titre. En même temps, je les comprends parce que c'est vraiment. Le titre anglais fait vraiment référence à tous ces gens qui... Comme, bah, en France, il hein, y avait les mêmes, hein, des gens comme Éric Chahi, Paul Cuisset, il y en avait plein, hein, des gens qui ont participé à la grande aventure du jeu vidéo et
qui programmaient. En général, c'est des gens qui étaient assez jeunes, hein, quand ils ont commencé. Il y en a certains, ils avaient 15 ans, 16 ans. Et en fait, ils programmaient dans leur chambre. Et aux États-Unis, vous savez, il y a le côté des maisons, le garage. Et il y avait ce côté, genre, je programmais, j'avais l'ordinateur dans mon garage et puis j'allais programmer avec les potes des jeux vidéo, quoi. Je crois que j'ai compris, Hydraeug, en fait, c'est une dé. Il faut trouver les autres nombres. Ah oui, c'est un dé, oui, c'est un... Il va falloir peut-être trouver les autres nombres, effectivement. Peut-être une suite logique, on va voir, hein, ce qu'il nous dit. Alors, avant de continuer d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser en mode programmation libre, parce que je voudrais tester un truc qu'on a vu tout à l'heure. Donc on est à peu près à la moitié, hein, de cette leçon. Donc je vais revenir en arrière, on va revenir en programmation libre. Et on va revenir en fait là-dessus. On va retravailler sur la notion... qu'on avait vu avant que je quitte le dernier live, donc le dernier live, le dernier stream. Donc vous voyez, là moi, ici, j'ai mon pad qui bouge, et quand j'appuie sur le bouton, j'envoie une balle. Problème, c'est que mon pad recule. Donc ça, c'est pas bon du tout. Et en fait, j'avais posé là, justement, ceci, parce qu'on va, on va essayer autrement. Le principe actuellement, c'est que j'ai un ovni, que j'ai rendu invisible. Et donc, c'est l'ovni que je bouge. Et j'ai relié l'ovni à ce bloc pour donner cette sensation qu'on bouge le bloc. Il faut trouver les autres nombres à l'aide de ceux qu'on a. Ouais, c'est peut-être ça, Hydraeug. On verra quand je vais reprendre le cours. Anto FGS, il y a grave moyen de créer un Minecraft Light. Alors, créer un Minecraft Light très light, hein. Mais voilà, parce que déjà, génération procédurale, il va falloir voir comment... On peut générer de l'aléatoire, hein. Il y a un nodon aléatoire, donc... mais parce qu'il faut bien comprendre que Minecraft, il y a une génération procédurale de fou. Mais bon, on peut vraiment créer de toute façon tout type de jeu. On va pouvoir faire du puzzle game, on va pouvoir faire du beat'em up, de manière assez simple, hein. On va pas avoir 50 000 coups, on va pas avoir des combinaisons de dingue. Mais on va pouvoir faire des protos assez sympathiques. Donc, je reprends mon truc. Actuellement, moi, ma première réflexion, ça a été de me dire, je bouge le bloc avec un ovni, je rends l'ovni invisible. Le problème, en fait, c'est que la balle pousse mon objet et je n'arrive pas à la fixer. J'avais essayé des trucs, mais ça n'a pas fonctionné. Et en fait, tout à l'heure, on a fait un cours avec ce nodon-là, qui s'appelle attache coulisse libre, et donc je voudrais essayer quelque chose avec ça. Je vais peut-être pas y arriver, c'est probable que j'y arrive pas, mais c'est pas grave. Oups, oh non, j'ai viré mon écran de jeu. Voilà, ça on vire. Ça on vire. Ah mais c'est pas vrai. Vivement que je me chope une souris pour faire ça. On va virer ça. Donc, on va remettre le bloc ici. Donc là, je peux plus bouger, hein. Voilà, vous voyez. Donc, dans les paramètres du bloc, le bloc est solide. Mais s'il est mobile, là, normalement, déjà, ça devrait aller mieux. Attendez, pouf. Voilà. Alors, le truc, c'est que là, je ne peux pas le bouger. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est poser un autre objet... potentiellement, peut-être un bloc d'ailleurs, on va le mettre comme ça, et lui on va le mettre invisible et pas solide, ce qui fait que là en fait ça change rien. Et l'idée, ça va être quoi? C'est que tout à l'heure on a vu qu'en fait on pouvait utiliser ce bloc là pour faire coulisser un objet sur un autre. Akamebox, salut. Eh ben salut, Akamebox. Salut, bonjour ou salut, au revoir. En tout cas, merci d'être passé dans tous les cas. X, Y et Z. Donc, on va déjà voir si on le met... Ah, mais je peux pas l'attacher, là. Je suis toujours gêné avec ça, hein. Je vais le virer.
En fait, ce qu'il faut, c'est... Attendez, on va prendre un autre objet. Alors, il y a les objets mobiles aussi. Objet spécial, objet déplaçable, objet pivotable, objet extensible. J'ai pas vu qu'on avait des objets pivotables. Alors, on va déjà mettre un objet déplaçable pour voir. On va tester juste ça comme ça. Donc là, si je fais ça, ok, il se barre. On va essayer de faire la même chose. Alors, donc mobile là, je peux pas faire autrement. Donc ça, ça va pas être bon. Ça me plaît pas cette idée. Je pourrais pas changer cette capacité. Vous savez quoi? Je vais revoir le cours sur la tâche libre. Salut, au revoir. Eh bien, écoute, merci en tout cas d'être passé à Kame Box et à la prochaine. Donc, ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est que là, voilà, et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais peut-être utiliser ce genre de choses, parce qu'en fait, là, je bouge bien mon objet, et on peut bouger aussi en hauteur, hein, là, voilà, on a choisi ça comme ça. Et ça, c'est grâce au nodon attache coulisse libre. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire ce cours et on va essayer de l'appliquer directement. Donc, en fait, le stick gauche est relié à l'axe. D'accord. Donc, ça, il faut que je le note. Destructeur et destructible, c'est pas bon. Ah, ouais, non, c'est sûr. Bah, destructeur, c'est qu'il peut détruire et destructible, c'est qu'il peut être détruit. Donc, ça, c'est sûr qu'il nous faudra pas ça de toute façon. Je veux tout savoir sur le nodon attache coulisse libre. Donc, on a bien deux objets qui sont de type déplaçable. Hein. Nous sommes attachés verticalement à l'écran de jeu. Le bloc se trouve sur le cylindre. Ce n'est pas une attache directe. Donc, on a un objet cylindre. L'objet bloc qui est attaché aux coulisses, en coulisses, au nodon attache coulisses et l'objet cylindre attache coulisses. Cela veut dire que le nodon attache coulisses libre est pris en tenaille entre les deux. Si tu attaches des objets à mes deux extrémités, ces deux objets pourront coulisser. Anto, tu peux pas faire en sorte que le vaisseau ne subisse pas de recul? Bah en fait, c'est ça, j'ai pas, pour l'instant, j'ai pas trouvé. Alors, soit je vais utiliser la même fonctionnalité que tout à l'heure, c'est-à-dire mon ovni, je vais le mettre en invisible, mais je vais l'attacher. À la tâche coulisse, mais pour que ça fonctionne bien, je pense qu'il faut deux objets et mon bloc, lui, ne peut pas être attaché. Ou alors, il faut que ça soit un objet mobile. Alors, en voyant des nombres, tu peux définir dans quelle mesure l'objet mobile peut coulisser. Donc, en fait, il va falloir que j'utilise bien un objet mobile, mais que je le règle de manière à ce que, en fait, sa mobilité soit de 0. Et comme j'ai pas l'habitude du tout hein, d'utiliser cet outil, bah voilà, il va falloir que ça prenne du temps et puis je vais prendre le temps qu'il faut pour ça quoi. Si tu entres 1 dans le port X, l'objet coulissera de 1 mètre vers la droite. Donc pourquoi il dit 1 hein? Tout simplement parce que le stick il peut nous faire une valeur de entre moins 1 et 1 selon comment on déplace le stick. Et le bouton, bah, soit quand on appuie c'est 1, si on n'appuie pas c'est 0. Ok. On va aller jusqu'au bout hein, de ce petit tuto, je l'ai fait tout à l'heure, mais il nous donne des... C'est dommage, on ne peut pas accélérer, ça aurait été bien ça d'avoir une petite fonction. Pour revoir ces petites leçons et les réaccélérer. Sinon, c'est peut-être la balle qui a un problème. Alors, c'est peut-être aussi la balle qui a un problème, hein, mais a priori, la balle, je l'utilise un objet, un nodon qui s'appelle lanceur d'objets et qui lance des balles. Donc, ça peut être des projectiles
Et moi, je me suis dit que ça pouvait être très bien d'utiliser ça pour gérer en fait une balle de pong, une balle de casse-brique. Hydra Hug, je veux. Alors peut-être à plus tard. Alors Hydra Hug, merci d'être passé en tout cas. Les options X, Y et Z sont activées, ce qui veut dire que l'objet peut coulisser sur tous les axes conformément aux entrées. Donc là, on va désactiver ça. Donc là, je peux plus bouger que autour. Le bouton R ne fonctionne plus. Maintenant que l'entrée du port Y est ignorée, on dirait que le bloc bleu a été victime des dures lois de la gravité. Vous voyez par exemple, dans mon cas, pour éviter le recul, mets un long bloc en dessous du vaisseau. Ben non, parce que justement dans le cadre d'un casse-brique, il faut que la balle, si on la rate, ne rebondisse pas. Et pour ça, il faut que... Si je mets un bloc en dessous, ça va bien bloquer mon vaisseau. Mais c'est pas le but quoi. Oui, mais après tu fais en sorte que la balle se casse lorsqu'il touche les blocs du bas. Effectivement, c'est pas une solution ça. Tu fais en sorte que la balle se casse lorsqu'il touche le bloc du bas. C'est une très très bonne idée en fait. Je vais essayer avec la tâche coulisse, mais sinon je vais essayer ta manière de faire, parce que ça, finalement, ça me paraît une excellente idée. Alors, on va zoomer en arrière un petit peu. Donc stick gauche. Donc c'est on est sur quoi? On est sur là on est bien sur le X en fait. Ok, donc là j'ai qu'un objet attaché, c'est le bloc. Est-ce que je referai un autre objet pour voir? Là.
Il faut qu'il y ait une attache là aussi, hein. Excellent. Attendez, je vais déplacer le bloc là pour voir. Donc les deux sont bien, vous voyez, tchac, tchac. Alors attends. Quand je bouge sur l'axe. On va le remettre au centre. C'est bizarre qu'il nous fasse un saut au début. C'est bizarre ce premier move. Je vais en bas. Ok. Mais donc il est mobile. Tâche ici, pardon. Je vais essayer ton astuce après, ça m'a l'air intéressant ça. Entrée, mouvement coulisse, alors juste. Non, juste le X, mais pas le Y et pas le Z. Ok. Ah, c'est bizarre. Mais ils sont toujours soumis à la gravité de toute façon. Ok, je vais refaire mon truc avec l'ovni. Ah, il y a des possibilités de ouf à faire avec ça quand même. Alors, attendez, on va refaire. On va faire ton astuce en taux. Je suis de retour, tu as vu le trailer de Mario Rabbit 2? Oui, je l'ai vu, ça a l'air plutôt sympa. Ça a l'air plutôt sympathique. J'ai pas trop compris pourquoi certains se sont mis à parler de Mario Galaxy, parce que apparemment on est plutôt dans du jeu stratégie. Je sais plus où j'ai vu ça, une espèce de lien comme ça entre les deux qui m'a pas paru évident. Mais c'était un jeu très très cool. Hein. Je l'ai pas terminé, moi, le Mario Rabbit. Je sais que je l'avais prêté à l'époque, mais on me l'a rendu depuis. Mais je l'ai pas, j'ai pas retravaillé dessus. J'ai pas joué. Qu'est-ce que je fais là? Hé, pépère. Donc, tu peux te mettre là, s'il te plaît, là. Merci. Donc, ok. On a notre cadre qui est tout moche. Alors, pour éviter que ça soit moche, on va peut-être faire un truc comme ça. Tac. Voilà, je vais faire pareil en haut, d'ailleurs. Ok, donc on a notre cadre. On va reposer notre personnage ovni. Ne bouge pas, s'il te plaît. Donc lui, on va le mettre au centre, ici. Voilà. Et on va faire comme on a fait. C'est-à-dire, on va poser notre bloc. On va lui donner la forme de notre pad. Tac, par exemple. Comme ceci, on s'en fout, on peut le mettre là. Comment on fait déjà? On l'attache. Ici. C'est quand même drôle qu'on puisse pas attacher. Attendez. Attache coulisse libre. On peut pas faire une attache coulisse libre à. Mais si on peut. Je suis crétin, moi. Bon, bref. Je réessayerai plus tard. On va le laisser là pour l'instant. Dis donc, je suis pas vite. Hein. Tu fais plus le jeu de Escape Game. Bah, je voulais tester un petit truc, une astuce de Anto FGS justement par rapport à ce petit projet. Donc, on a notre bloc. L'OVNI. On va faire en sorte qu'il soit ni solide ni visible. Comme ça, quand on va envoyer une balle, et ben, ça ne fera rien. Alors là, l'objet. Il se pose au sol, il a une drôle de physique bizarre. Il faut qu'il soit visible, solide. Il ne faut pas qu'il soit mobile. Il ne faut pas qu'il soit destructeur. Il ne faut pas qu'il soit destructible. Quoi d'autre?
Est-ce qu'on peut gérer le point d'attache? Peut-être on va le mettre au centre aussi. Est-ce que ça va bien fonctionner? D'accord. On va donc mettre le stick gauche au bas, gauche-droite. Donc là, logiquement, quand je bouge l'OVNI, je bouge rien du tout. Eh, comment ça se fait? Visible solide. Ce serait pas ça. Ah si, mais le truc c'est que s'il est mobile... Donc là on avait un truc ici à régler. C'est la vitesse giratoire je crois. Voilà. On est bien d'accord que... Voilà, on a toujours le problème, donc effectivement... Il faudrait qu'il soit collé là en fait. Hein. Donc ensuite, on va faire quoi? On va faire solide. On va le garder solide, mais on va mettre invisible. Et on va déplacer un peu notre objet ici. Il y a aussi d'autres en option. Il y a aussi d'autres en option. Oui, oui. Il y a aussi un cadenas. Le cadenas, je pense, c'est pour qu'on puisse plus bouger. Par exemple, il y a des objets que tu vas avoir besoin. Par exemple, ça. Je peux le mettre ici. Comme ça, au moins, je suis sûr de ne plus le bouger par inadvertance. Voilà, lui, il est là. Et je ne l'ai pas bien placé, d'ailleurs. Je ne l'ai pas bien placé. Voilà, je pense que ça serait plus là. Voilà. Et donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est effectivement détruire la balle quand elle touche le truc. Bah, en fait, ouais, la solution manteau, elle est plutôt efficace, je trouve. Alors évidemment, hein, comme je vous disais hier ou avant-hier, je sais plus, il n'y a jamais qu'une solution pour régler nos histoires. Hein. On va se mettre à deux pour voir. On a toujours plus qu'une solution hein, pour ça. Donc, mais ça c'est une solution que je trouve plutôt efficace. Genre la balle détruit le sol ou l'inverse. Alors en fait c'est plutôt le sol qui devrait détruire la balle. Donc comment qu'on va faire? Pour ça, il nous faut un capteur. Un capteur de contact. Déjà. Je pense qu'il nous faudra un capteur de... Ah là 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 là. Alors le petit souci aussi, ça je sais pas trop comment ça va se passer. Et ça il faudrait que je revoie le cours sur le shoot peut-être parce que... C'est avec ça que ça va se passer. Matériaux, zéro gravité. Flottant, rebondissant. Alors c'est pas redondant, c'est plutôt zéro gravité qu'il nous faut là. On peut changer l'intervalle de lancement. Alors si je mets 0,2, on va pouvoir en lancer plein là en fait. Enfin plein. L'objet il en lance qu'un. Il y a un lancer objet x10 et un objet x100. Tu peux pas rendre le bloc destructeur de la balle plutôt. Le bloc destructeur de la balle, si, je pense que ça devrait être possible. Hein. On va pouvoir faire ça par exemple que quand... Lui est destructeur. Attends, on va mettre comme ça plutôt. Alors, est-ce qu'on est capable? C'est ça le truc, c'est que ça, c'est pas dit. Parce que tu vois là, on n'a pas, on a la sphère. Est-ce que c'est une sphère qui nous, est-ce que c'est une sphère qui nous envoie? C'est the question, big question. Parce que vous voyez, attendez, qu'est-ce qu'il nous fait? Si, il envoie bien une sphère. Destructible. Donc pas destructible bloc, mais juste destructeur de bloc. On va voir. On va tester ça déjà. Alors, tu vois.
Parce que le problème. J'ai peur que si je dis que le bloc. Que la sphère est destructible par un bloc, c'est-à-dire que je puisse plus utiliser mes blocs pour détruire, pour faire rebondir. Toi, si je mets sphère là. Non, mais d'ailleurs, il le fait pas. Donc, c'est pas. Alors, de toute façon, ça marche pas comme ça. Il va falloir régler l'objet qui détruit nos autres objets. Et c'est comme la c'est très lent, pareil. Hein. Oups là. Donc, il nous faudrait un capteur, mais pas que. Il n'y a que la plateforme invisible. Du coup, il n'y a que la plateforme. Attends, certes, la plateforme n'est pas. La plateforme n'est pas destructeur, du coup il n'y a que la plateforme invisible qui peut le détruire. Alors après il faut activer ça, hein. Il faut que. Il va falloir un capteur, il me semble. Forme de l'objet bloc. Destructeur de sphère. Ok. Il nous faut un fameux truc là de destruction, émettre, effacer, attirer, détruire objet par exemple. Donc. C'est là. Détruire quoi? Sphère. Visible ou pas visible? On va laisser visible ça pour. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, j'ai plus de manette. Détruire sphère bloc. Donc a priori on va juste faire ça, on va voir si on le colle ici, mais vous voyez il faut qu'il y ait un signal qui rentre quand même, parce que là si je fais ça c'est pas censé marcher, hein. D'accord. Ouf. Donc lui il est bien là, mais il va falloir lui envoyer un signal pour lui dire. Et donc, il va falloir utiliser le capteur, je pense. Et donc, capteur de contact. Vérifier quoi? Vérifier certainement la sphère. Timing de sortie, une fois si touché, ça me paraît logique. On peut pas le régler là-dessus. Hein. Il faut qu'on récupère un signal en fait à un moment donné. On a la direction de lancement, on a la rotation. L'intervalle de lancement, tout, point d'attache centre. Mmh. Ok. Je pense qu'il va falloir que je revoie le cours sur le lanceur d'objets et la gestion des projectiles. Mais au moins ça a avancé un petit peu, dans le sens où on a effectivement un comportement, en tout cas qui est un peu plus, qui ressemble un petit peu plus à celui que je souhaitais faire. Merci, merci Anto. C'était une très bonne idée, cette idée de mettre un mur invisible en fait. Et puis effectivement, on va faire en sorte que la balle se détruise quand elle touche le mur du bas. Et là au moins déjà... on va avoir un comportement un peu mieux. Après, je ne sais pas comment on va gérer la physique de la balle, parce que là, j'ai fait justement, je l'ai mis en 100 gravité, 0 gravité, pour parce que c'est, on est censé être en 2D et dans un univers finalement où la balle rebondit tout le temps.
Elle ne perd jamais de vitesse. Et par exemple, là, si je mets ça, vous allez voir, ça va changer complètement le truc. Vous voyez, on sent que la balle rebondit. Vous voyez, on la voit rebondir en fait sur le sol. Et nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Et elle freine, elle est freinée en fait dans son déplacement. Et salut MCI, MMM, je sais plus si je t'ai salué quand tu es revenu, quand tu es arrivé, pardon. Donc voilà, on peut le mettre super fort pour voir. Oui, ça a tendance à ralentir, hein, c'est ça. Ça me gêne. Hein. L'idée, ça serait que ça se ralentisse pas. Hein. Ah, mais vous avez vu en fait? C'est tellement fort en fait qu'il y a quand même la gravité sur l'objet. Bon, je l'ai poussé un peu fort là en même temps. Hein. Vitesse de lancement 52. Hein. Et là, on le ressent pas quand c'est pas trop. On a vraiment l'impression que ça bouge pas. Potentiellement, ça peut bouger. Hein. Donc voilà, on va avoir beaucoup, beaucoup de choses à régler. Je vais revenir sur la leçon. La leçon, parce que l'idée, c'est quand même de terminer la chambre des mystères. Mais en tout cas, je suis content. On a un peu avancé. Merci à toi, Anto. Très bonne idée. En fait, j'essaierai hein, différentes méthodes. Hein. Parce que ça, c'est une méthode qui a l'air de fonctionner. Il va falloir faire d'autres réglages. Mais j'essaierai cette méthode avec l'attache coulisse. Parce que là aussi, je sens que potentiellement, on peut faire quelque chose avec ça. Il y a une option pour que tu puisses rendre les blocs rebondissants. Alors oui, oui, on peut rendre les blocs rebondissants. Mais on a quand même cette sensation de pesanteur, de gravité. Et là, pour le coup, ce que j'aimerais, là, c'est qu'on... Je pense qu'il faudra que j'utilise un nodon constante. Et que la vitesse soit constante. Voilà, qu'elle ne change jamais. Parce que dans un casse-brique, la balle ne ralentit pas. Elle est tout le temps. Elle peut accélérer, éventuellement. Mais elle ne peut pas ralentir. Et à mon avis, c'est peut-être... Ouh, attendez. On va tester ça quand même. Ah, c'est terrible ce truc. Moi, c'est ce que j'adore aussi dans le fait de programmer. Par exemple, quand on programme en Lua ou en ligne de code, là, c'est que... On est tout le temps... Vous savez, des fois, on bloque sur un truc. Et puis... On laisse tomber, on fait autre chose, on réfléchit, puis on se dit « Ah non, mais si je faisais ça ?» Et puis finalement, on rajoute, on écrit une fonction, on crée une variable, et on se dit « Tiens, avec cette variable-là, on va faire telle ou telle chose. » Et là, en fait, ça vient nous faire penser à quelque chose. Donc, je peux pas rentrer. Est-ce que je peux rentrer? Qu'est-ce que je peux rentrer? C'est ça que je voulais savoir. Parce que je peux peut-être rentrer une constante hein, là-dessus. Lorsque ce nodon reçoit une entrée, il lance l'objet sélectionné. Parce que la vitesse de lancement, c'est une chose. Mais j'aimerais bien avoir des infos sur la vitesse de la balle. Salut Akamebox, salut. J'ai liké, merci beaucoup. Si rien n'est connecté, la valeur est de 1. Port d'attache inférieur, supérieur. Normal, rebondissant, glissant, flottant. Le point d'attache le plus proche est déterminé automatiquement en fonction de la position. Ok. La vitesse de lancement, intervalle, taille, détermine la taille des objets lancés contre la forme de l'objet paramétrée sur bloc, sur sphère. D'accord. La position. Détermine la position de la source de lancement au début du jeu ou après une réinitialisation. Ok, rotation détermine. On peut lancer la balle pas forcément toute droite. Hein. Trois types de nodons lancés. x1, x10, x100. Vous ne pouvez appeler qu'un nombre limité de nodons lancés objet par jeu. Coup spécial. Tous les nodons de type objet ont un coût et le coût maximal par jeu pour ces nodons est de 512. Ah, chaque nodon, c'est pas un coût, hein. Les nodons de type objet ont un coût de 1. Le nodon lancé objet ont un coût spécial, c'est-à-dire 3. Ça vaut 3 nodons. Aïe, aïe.
Aïe, aïe, aïe. Attendez, je vais juste regarder. Donc, attendez, c'est le bloc, hein, qui m'intéresse. Donc, tu vois, ici, je l'ai mis en type d'attache normal, matériau normal. Je pourrais faire rebondissant, par exemple. Tu filmes comment ta Switch? Salut, Séverine. Rebonjour à toi, bienvenue. À Camébox, je filme en fait en. J'ai plugué ma Switch sur une carte de capture. Et tu vois, on a toujours le même truc, c'est que ça ralentit. Ça ralentit au fur et à mesure. Il faudrait une constante. Il faudrait une constante. Est-ce que je peux. Je sais pas, hein, je vais juste tester et puis je vais revenir sur le cours. Est-ce que je peux mettre une constante là-dessus? Ouais, non, bah là, le truc, c'est qu'il. La constante, c'est pas, ça n'a rien à voir avec la vitesse, donc voilà. Oui, la constante là, c'est-à-dire qu'en fait, c'est si je le mets par exemple à 2, 3. Bref, non, c'est pas comme ça. Il va falloir que je réfléchisse à ça, il va falloir que je trouve une solution. Bref. Alors, le truc rebondissant, c'est bien en tout cas. Hein. C'est sûr que le truc objet, il va falloir que ça. Qu'on fasse comme ça. Mais il va falloir trouver une solution pour qu'il n'y ait pas. Que j'ai pas ce souci-là. Alors, peut-être qu'il y a le nodon monde aussi. Hein. Peut-être que je peux faire un réglage là-dessus. Hein. Surface plane, dôme, cylindre, sphère, apparence du monde. Si je fais aucune, ça va nous faire quoi là? Vous avez vu? No way, c'est pas ça qu'on veut. Alors, forme du monde bloc, ça nous fait quoi bloc? Est-ce qu'on peut faire un truc sur la gravité par exemple là-dessus? Ah, glissant, rebondissant. Faites voir ça un peu là. Est-ce que j'ai mis le mode rebondissant à tous les blocs? Peut-être pas, Anto. Peut-être pas. Peut-être plus vite aussi. Ah bah d'accord. Non, oui, je n'ai pas réglé, hein, ça c'est sûr. Je ne l'ai pas réglé puisque je voulais déjà faire d'autres tests avant. Donc, je vais écouter tes conseils. Hein, tu es très éclairé, Anto. Effectivement, on va faire rebondissant là-dessus. Ou peut-être zéro gravité, hein, d'ailleurs, je sais pas. Hein. Non. Oui. On va voir un petit peu ce que ça nous fait déjà. Donc ça rebondit. Et tu vois ça. On a toujours ce truc à un moment donné. Et ça, c'est lié au lanceur, hein, je pense. C'est vraiment lié au lanceur. Si je mets rebondissant, qu'est-ce qu'il va nous faire, lui? Ça va pas aider, hein, je pense. Mobile destructible, blablabla. Rotation, position. Donc ça, c'est bon. Non. Ouais. Rebondissant, ça aide pas. Tu vois, il y a vraiment ce côté. En fait, c'est un peu le souci là par rapport à un framework, on va dire, traditionnel. C'est que quand on travaille par exemple avec en ligne de code pur, pour le coup, on afficherait un point à l'écran, hein, et puis ce point, on lui donne une valeur pour le X. Et le Y, enfin, on lui donne des valeurs de positionnement pour afficher, et ensuite on donne deux variables qu'on crée avec une vélocité. Et une fois qu'on les a mis en place, en gros, on fait une petite, ce qu'on appelle une boucle. Et dans cette boucle, en fait, on dit qu'on change constamment la position de la balle selon la vitesse. Ce qui fait qu'on a constamment une vitesse, on a la même vitesse partout. Et on n'a pas. Comme sur un framework classique,
On n'a pas de collision, on n'a pas de système de collision, il faut le programmer. Ici, on a tout déjà. On a déjà un système de collision qui est pré-programmé, en fait. Et donc là, en fait, ce que je cherche à faire, c'est particulier, mais moi, je cherche à ne pas me servir de ce système de collision. J'ai envie de créer un univers, finalement, où il n'y a pas la collision. Et c'est ça qui fait que c'est un peu particulier, parce que du coup, finalement, je galère pour faire un truc que je ferai à peu près en 10 minutes en ligne de code. On commence à avoir une petite illusion, hein, mais voilà, il y a encore du travail et je pense qu'on va y arriver. On va y arriver. Parce que vous voyez, il prend en compte la vitesse à laquelle je frappe la balle aussi. Hein. Est-ce que je peux essayer de mettre un sol glissant? Pourquoi pas? Je n'ai pas de sol en fait. On va regarder dans le monde d'ailleurs. Parce que c'est vrai que j'ai pas de sol. Le forme du monde, rebondissant, glissant. Oh, tu vas voir qu'il va, il va tout nous débugger. C'est déjà mieux. Il ralentit quand même. Il a cette tendance à ralentir. Il nous faudrait une gravité à zéro, quoi. Est-ce qu'on peut le faire d'ailleurs ? Propriété non destructeur ou destructeur, d'accord. Rebondissant, normal, glissant. Faut voir si je fais normal. On va voir la différence. Ça n'a pas l'air de changer beaucoup en fait. On va le remettre en glissant. Ça a l'air un peu équivalent. Anto, pour détruire des blocs sans collision, ça va être compliqué. Pour détruire des blocs sans collision, ça va être compliqué. Ah, mais c'est pas que je veux pas de collision. Hein. On aura forcément des collisions à gérer. Ce que je voudrais, c'est m'abstenir d'avoir une gestion, non pas de collision, là, mais de gravité, en fait. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, on a une gravité qui est préétablie. Forme de monde, surface plane. Alors, attends, en fait, c'est surface plane en glissant. Dôme, sphère, cylindre. Bref, de toute façon, je verrai ça. Vitesse de destruction des objets. Ah, c'est intéressant, ça. Ça, c'est les fameux tableaux dont je vous parlais il y a quelques lives. Vous savez, quand on crée un objet en fait et qu'il sort de l'écran, en général, quand on programme, on a donc notre objet qui finalement est un numéro dans un tableau. Et à un moment donné, quand un projectile sort de l'écran, quand on a détecté qu'il est en dehors de la vue de l'écran qu'on a, par exemple si on a une résolution de 600 pixels de large et qu'on a un projectile qui est affiché au bout d'un moment au pixel 601, on lui dit bah, quand tu es au pixel 601, on le retire de la liste. Et ici, ça doit être ça, la vitesse de destruction des objets, ça veut dire c'est la vitesse de destruction à laquelle quand un objet est sorti de notre champ de vision de l'écran, combien de temps il va vivre. Tout ça, c'est pour pas surcharger la mémoire, parce que sinon, au bout d'un moment, bah, ça pourrait créer des plantages. Ok. Écoutez, de toute façon, ça je reviendrai là-dessus. Il faut que je reprenne le cours sur les shoots parce que là on utilisait le lanceur. Et on va reprendre l'étape 6 du mécanisme sur le mur. On va continuer l'apprentissage. On est là pour ça. Je suis pas sûr, mais il y a un odon pour enlever la gravité. Non, sinon j'ai pas idée. Je regarderai si on a un odon pour ça, pour retirer la gravité. Je ne l'ai pas vu en tout cas, j'ai pas vu tous les nodons, hein, puisqu'en faisant toutes les leçons, on en apprend en fait à chaque leçon. Donc potentiellement, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas faire un casse-brique. Hein. C'est vraiment un des jeux basiques à faire sur un outil comme ça. Donc ça me semble évident. En revanche, vous voyez, c'est pas non plus. C'est pas parce que le jeu a l'air simple que c'est simple à mettre en place. Surtout, j'ai envie de dire, quand les outils ont déjà de pré-intégrer ces notions de collision. Par exemple, ici.
On a les collisions intégrées, on n'a pas à les programmer. On a plein de choses déjà faites qu'on a juste à utiliser. On pose un nodon d'objet. L'objet de base, il a une gravité, un petit peu comme on fait dans Unity d'ailleurs. Hein, quand vous créez un objet dans Unity, vous avez genre deux clics à faire pour dire si votre objet 3D est soumis à une gravité ou pas. Hein. Et si vous ne voulez pas ça, en fait, bah, il faut être capable d'aller à l'intérieur du code pour enlever cette fonctionnalité. Et ici, c'est ce qui nous arrive. Il faut qu'on soit capable d'aller fouiner dans les paramètres pour empêcher certains comportements. Go détruire la caisse, Hydra Hug. Ah, t'aimerais bien, hein. Pim. Voilà, le code secret est constitué de différents dés. Est-ce que tu as trouvé la réponse à l'énigme? Dans cette étape, nous allons programmer le mécanisme qui est au mur pour que le nombre augmente quand tu appuies sur le bouton. Nous devons aussi réfléchir à un moyen de vérifier que le nombre entré est la bonne réponse. Allez, c'est parti. On va utiliser tout ça. Salut Mika! Donc, il va s'agir pardon, de compter combien de fois le bonhomme appuie sur le bouton. Appelle un nodon compteur et le place dans le cadre bleu. Alors, nodon compteur, c'est parti, mon kiki. Compteur. Clique. Je dirais le 37, Hydra Hug. L'Xscale 2, le mode de paramètres est tellement cool pour ceux qui veulent commencer à programmer. Oui, je pense que c'est vraiment chouette. Hein. Ça donne envie, quoi. C'est classe. Moi là ça me donne envie de relancer mon framework pour continuer mon Sokoban, mais bon, chaque chose en son temps, je ferai ça quand je serai pas en live. Hydra Hug ou 26 ou 2.6, je suis stupide. Mais non, t'es pas stupide, Hydra Hug. Alors dans le mode section mode, on choisit en boucle. Alors attendez, on est quoi? On est sur un compteur, il va compter en boucle. Fameux boucle, si vous savez un petit peu, si vous avez déjà fait un peu de programmation, hein, la boucle c'est ce qu'on appelle le for. Une variable égale, par exemple, for i égale 1 jusqu'à 100. Et il va compter en boucle de 1 à 100. Et à l'intérieur de cette boucle, on va pouvoir dire, on fait plein de choses. Là, c'est un petit peu ce principe-là. C'est-à-dire que le compteur, bah, lui, son boulot, ça va être de compter jusqu'à atteindre un certain chiffre. Et on va vérifier des choses après, à chaque fois qu'on a un chiffre qui arrive. Ah, on a un petit peu de... Ah, attendez, est-ce que je peux virer ça là? Non, I don't want to be famous, thanks. Bah les bans, ouais, j'ai pas besoin de ban en général, j'ai pas besoin, c'est pas... J'ai pas envie de me prendre la tête, ça devrait aller là, il devrait pas y avoir de soucis. Tant que j'ai pas de spam. Sinon faut que je me connecte sur Twitch. Alors, dans la sélection intervalle de comptage, on place les curseurs de 0 à 100. Alors on peut les placer là aussi, les compteurs. Ça c'est vraiment très pratique d'avoir fait ça. Au passage, en continu, si différentes 0 au passage, de 0 à différentes 0. Là, la subtilité m'échappe un peu entre les deux, mais je crois la comprendre, mais je suis pas sûr. Je compterai le nombre de fois que le bonhomme a appuyé sur le bouton. Donc on va connecter le nodon compteur avec l'objet nombre qui est ici. Qui est ici, qui est voilà, je vais le prendre là. Donc c'est la sortie hein, qu'on connecte. Occupons-nous du bouton. Il faut qu'on sache quand le bonhomme donne un coup de poing au cylindre. Pour faire ça, on veut savoir s'il y a un cylindre devant le bonhomme. Appelle un nodon capteur de contact. Capteur de contact. Faudrait un modo quand même. Bah peut-être, mais pour l'instant je pense qu'on est pas suffisant. On n'est pas suffisamment nombreux non plus. Mais c'est vrai que. Voilà. Mais ça me gêne toujours de demander à des gens de faire modo. J'ai jamais demandé déjà. Parce qu'en général, je gère le truc moi-même. On n'est pas non plus 50 000 sur le chat. Et voilà. Puis après, demander à un modérateur, c'est demander à quelqu'un d'être disponible quand je fais de live. Voilà. Et puis moi, comme je fais des lives un petit peu en random, un peu sauvage, je prévois pas forcément tout le temps. Donc là, en ce moment, j'en fais beaucoup. Ça se trouve, dans une semaine, je vais pas en faire du tout. Voilà, c'est...
Donc c'est toujours un peu délicat, je trouve. Alors, on appelle le nodon capteur de contact et on le fait glisser dans le cadre bleu. Merci, voilà. Et on ouvre les paramètres. Visible. Section point d'attache. Z+, Z-, Z+, Z-. Z+, derrière, Z- ici. On vérifie que juste le cylindre soit activé. Alors là, il faut bien que je regarde parce que vous voyez, on le fait, ça marche et tout, c'est super. Puis moi, quand je veux le faire tout seul, des fois, je galère. Parce que justement, j'ai essayé d'utiliser tout à l'heure le on va l'utiliser plus tard, le capteur de contact, pour notre petit projet de casse-brique, là. Et on va vérifier quoi? Donc ça, c'est bon. On a vérifié qu'on touche un cylindre. La forme du capteur, c'est un bloc. On peut lui donner une forme différente, hein, d'ailleurs. Attache le nodon capteur au contact au nodon bonhomme. Voilà, ça c'est le problème que j'ai par exemple par rapport à la sphère. Si vous voyez ce que je veux dire. Et je pense, ah j'ai peut-être une idée pour déplacer la sphère. En fait je ne devrais pas utiliser le lanceur pour le casse-brique parce que je ne peux pas accrocher mon capteur sur le lanceur. Je peux pas. Le lanceur en fait génère une balle. Mais moi j'ai pas moyen de l'accrocher. Donc en fait il va falloir que j'utilise une vraie sphère. Il va falloir que je crée une constante, et cette constante, ça va être ma vitesse de déplacement. Je pense que ça va être... Ah, mais oui, mais c'est ça. C'est ça, on va essayer après. C'est sûr que c'est ça. J'ai utilisé le lanceur par fainéantie, je me suis dit, oh, bah, si on va utiliser ça, ça va être cool. Je pense qu'on va avoir une meilleure... on va progresser. Bref, on continue l'étape ici. Très bien, on veut savoir si le bonhomme donne ou non un coup de poing. D'où l'intérêt de faire les leçons aussi, hein. Appelle un nodon, bouton. D'accord, pas de problème. Ce qu'on veut, c'est détecter le moment où le nodon capteur de contact et le nodon bouton émettent un signal en même temps. Donc, on appelle notre fameux nodon et qui est un capteur de logique. Alors, ce qui est drôle, je ne sais pas s'ils vont en rajouter, mais vous savez, souvent dans les capteurs de logique, on a AND, qui est et, on a OR, qui est OU, et on en a, on peut faire les deux d'ailleurs, AND OR, et là c'est marrant parce que j'ai pas vu de, il n'y a pas de OR par exemple, on peut pas dire ça ou ça, peut-être qu'ils vont en rajouter des nodons aussi, hein, je sais pas, en tout cas ça n'empêche pas qu'on peut faire déjà plein de trucs avec ça, on place le cadre, non, le machin dans le cadre, merci. Connecte le nodon capteur de contact ici et le bouton ici. Donc en gros, si le contact avec le bonhomme, si le capteur qui est accroché au bonhomme et le bouton est appuyé, dans ce cas, on augmente le compteur. Désormais, appuyer sur le bouton devrait faire augmenter le nombre. On se rend pas bien compte, mais oui. On va faire comme tout à l'heure, on va rajouter des sons. Après, ce qui est pas mal fait aussi hein, dans ce truc-là, c'est que vous voyez, au fur et à mesure qu'on progresse dans les événements, il nous incite à nous occuper pleinement d'une fonctionnalité, c'est-à-dire que... La fonction marche bien comme on a prévu qu'elle marche, mais on va la rendre un peu plus attractive tout de suite. Tout de suite, on va aller placer un son dessus. Tout de suite, on va éventuellement aller placer une texture, quelque chose, etc. Anto, FGS, j'ai jamais fait de programmation de ma vie, je comprends rien, mais ce genre de jeu, je trouve ça quand même bien fait. Du coup, 26 fois, Hydreig. Ben, ça peut donner envie aussi. Un nodon produire son. C'est ça en fait, hein, ça peut aussi te motiver par exemple à te pencher sur ce truc là, hein, parce que moi pendant des années je me suis dit que j'étais incapable de programmer quoi que ce soit, que j'avais pas l'esprit d'un programmeur,
Et en fait, depuis que j'ai commencé à me pencher un petit peu sur le sujet, je me suis rendu compte que c'était un peu bête de penser comme ça, parce que par exemple, dans ma vie, j'ai appris, par exemple, j'ai appris à jouer d'un instrument de musique, et je l'ai fait au fur et à mesure, et ça a été des étapes longues, mais très satisfaisantes. Et finalement, j'ai rencontré là des communautés de gens qui ne sont pas forcément des programmeurs dans leur esprit, mais qui ont appris et qui en fait m'ont fait comprendre que on n'est pas programmeur comme ça, hein, je veux dire, on apprend à le devenir. Et programmer un jeu vidéo, en plus, c'est encore très différent que de programmer d'autres types d'applications. Et qu'en fait, pour le coup, là, c'est vraiment une histoire d'entraînement et qu'il ne faut pas avoir peur, en fait, de se lancer dans ce genre de choses. Faut pas avoir peur de travailler avec des frameworks, de faire des programmes en ligne de code. Faut pas avoir peur de ça. Et ça, c'est un bon outil d'initiation. C'est un bon outil pour aussi peut-être quelque part vaincre sa peur à un moment donné. En tout cas, ça peut libérer certaines choses par rapport à ça. Il y a rien d'inaccessible. Après, voilà, faut travailler. Faut de la régularité. On va ouvrir les paramètres. On va choisir un petit son. Qu'est-ce qui va nous faire bouton? Bouton, 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 c'est où ça? Bouton dans la catégorie système. Il y a. On va essayer les sons. Parce que sinon je peux plus le bouger après. Donc c'est pour ça que je voulais tester avant. Allez, Nodon et au port lecture, comme on l'a fait tout à l'heure. Je l'entends pas plus que ça, moi. C'est pas le meilleur son, là. Hein. On entend plus le son des coups de poing que le son des clics. Enfin, on les entend un peu. Alors, vérification de la réponse. Ce qu'on veut, c'est vérifier que le nombre affiché sur le panneau correspond à la bonne réponse. Appel à un nodon comparaison. Comparaison. Et une constante, quand on compare à quelque chose. Et donc ici, on doit afficher une constante. La valeur d'une autre constante doit être celle de la bonne réponse. C'est ici qu'on va mettre notre réponse, en fait. Ok. La réponse, c'est 26. On va la rentrer à la main, être plus rapide. Nous verrons pourquoi plus tard, mais il a déjà trouvé Hydrahug, pourquoi c'est. Tu veux bien fermer les paramètres? Pas de problème, je ferme les paramètres. Vous avez la certitude que la réponse est 26. Okay. Allez, on connecte le nodon compteur au port entrée 1. Merci, merci. Viens là. Ah non, le compteur, pardon. Oh là là. Et ensuite, le constante à l'entrée 2. On va comparer les deux. Ce serait bien qu'on entende un son spécial quand la bonne réponse a été entrée. Qu'en penses-tu? Et oui, on va en faire encore un son. Plitch. Connecte le port sortie du nodo comparaison au port lecture. Et maintenant, le moment tant attendu, voyons pourquoi la réponse est 26. Regarde bien la forme du code.
Ah, cela correspond à la forme d'un dé qui aurait été déplié. Une face du dé dont le nombre a été effacé. De la même manière, la partie bleue pâle correspond à deux autres faces et cache donc deux autres nombres. Or, sur le panneau bleu clair du mur, il y a de la place pour deux chiffres. On en conclut qu'il faut entrer les nombres qui devaient se trouver sur la partie bleu pâle de la figure des nombres. C'est costaud comme énigme en fait. Mais comment trouver ces nombres? Eh bien, les faces 1, 3 et 5 du dé sont visibles. Il reste donc les faces 2, 4 et 6. Oui, c'est vrai. Si tu sais comment est construit un dé, c'est facile de savoir combien de points il devrait y avoir sur ces dernières faces. Sur un dé, la somme des faces opposées vaut toujours 7. Le 6 est la face opposée du 1, le 5 est la face opposée du 2, le 4 est la face opposée du 3. Si on construit un dé à partir de cette figure, cette face serait l'opposé du 3. Autrement dit, elle indiquerait 4. Et donc il ne reste plus que le 2 et le 6. Vu qu'une face et sa face opposée égale 7. Eh bien écoute, je crois que ça fait très longtemps que je ne m'étais pas posé la question sur comment le. Sur ça, en fait. C'est bien, j'apprends des trucs. Si tu proposes à tes amis d'essayer ce jeu, tu pourras les épater à ton tour en leur expliquant la solution, si tu t'en souviens. D'ailleurs, on a un petit souci en entrant 26 avec le bouton, le joueur peut résoudre l'énigme par hasard sans casser la case. Ça, c'est un vrai problème. Mais oui. Il faut empêcher ça. On peut se servir du programme réalisé à l'étape 4 pour la destruction de la caisse. Ce nom de comparaison envoie un signal continu à partir du moment où la caisse a été détruite. On peut donc utiliser sa sortie pour savoir si la caisse a été détruite. Nodon raccourci, entrée. Où es-tu? Nodon raccourci. Hein? Il est où, lui? Ah oui. Nodon raccourci, entrée. Connecte le nodon comparaison au nodon raccourci entrée. Comparaison, c'est lui, raccourci entrée. Ici l'entrée. Ah, si la case est détruite, il transmet l'information sur le champ. Et maintenant, sortie. Oh, ok. On l'avait déjà vu, hein, les deux là, mais je me souvenais plus très bien. Donc en fait, si un signal. C'est comme ça qu'on peut récupérer une information. Ça c'est vachement bien ça. Avec ça on peut vérifier si la caisse a été détruite. Deux choses à vérifier. Est-ce que la caisse est détruite? Est-ce que le panneau affiche 26? Appelle un nodon et mets-le. Logique et. On connecte le nodon raccourci à l'entrée 2. Le nodon comparaison se charge déjà de vérifier si le nombre 26 est affiché sur le panneau bleu pâle. Donc en fait, on vérifie que c'est bien ça et on vérifie que ça a été transmis. Et ensuite, on peut jouer le son. Connect. Oh. Ici. Il suffit que le... Ben oui, c'est ça en fait. Attends, j'ai pas vu tous vos messages. Hydrahug, c'est simple, j'avais résolu depuis longtemps, ça fait beaucoup de blocs, dis donc. Ah bah ça va vite, hein. Quand tu fais même un petit jeu, ça va vite. Il suffit que le mec casse la caisse et spam le bouton. Essaye d'entrer 26, alors on va essayer.
Alors après, on peut régler ça aussi, hein, je pense. On peut, d'ailleurs, de toute façon, tous les tutos, toutes les leçons, une fois qu'elles sont terminées, on peut personnaliser un petit peu des trucs et surtout, on peut les copier pour modifier tout ce qu'on veut dessus. Donc par exemple, le shoot, on peut s'amuser après à reprendre, refaire les sons, changer les ennemis, changer les machins. Sans toucher à la structure, on va dire que voilà, on peut même rajouter des niveaux de cette manière-là pour personnaliser éventuellement notre jeu. Donc ça veut dire que ce genre de jeu-là, on pourrait tout à fait aussi rajouter des conditions pour que qu'on puisse pas spammer, par exemple, la touche, ou qu'au bout d'un certain temps, on pourrait mettre un minuteur, par exemple, si on appuie au bout de, je sais pas moi, 10 secondes, que le compteur se remette à zéro. Et bravo Hydraeug, tu as trouvé, c'est la fin de l'étape 6. La prochaine fois, nous nous occuperons du système qui ouvre la porte secrète une fois que l'énigme sera résolue. Alors, on va revenir un petit peu sur la programmation libre parce que je voulais tester. J'essaie de pas oublier, donc c'est pour ça, parce que sinon après je zappe tout là, mes machins. Le lanceur là, on va le virer. Parce qu'en fait, lui, là, c'est bien gentil tout ça. Mais on va pas pouvoir régler la vitesse comme ça. Donc, vous savez quoi? On va faire ça, en fait. On va créer... je pensais à ça tout à l'heure, en même temps que je faisais le tuto, là. On va créer une sphère. Alors, est-ce que... Voilà, on va créer la sphère. Ici, oh, pardon. On va la réduire un petit peu en taille. Oui, mais pas trop. Comme ça, peut-être. Ok, ça c'est bien. On va régler un peu un truc dans les paramètres. Le Y, on va le régler à 20. Donc il est déjà collé au sol. Et en fait, on va faire un test, on va entrer une constante. Et on va... Est-ce que je peux régler la constante? Non, je peux pas. Ah, 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 je suis toujours embêté. Comment je fais pour régler ça? On peut faire bouger, hein, c'est sûr, on l'a fait, quoi. On l'a fait. Alors, ou alors, il faut que ce soit un objet déplaçable. Ah là là. À chaque fois j'ai des idées, à chaque fois je me retrouve comme un imbécile. Objet spécial alors peut-être. On va essayer avec objet déplaçable. Plus, plus, plus. On a quoi là? Dans les options. On va le mettre à 20. On a l'axe de rotation, la taille. Visible et solide, mobile, matériaux, on va dire zéro gravité, type d'attache normal, il est attaché à que dalle, référence des mondes, mode accélération, mode vitesse, voilà. Donc là, si on met une constante, ça devrait aller. Attendez, si on fait ça, X, Y ou Z. Alors, je pense que ça serait sur Z. Donc Z, il ne fait que monter. Ah, ça va être compliqué là. Il va falloir en fait là que je lui donne une vitesse, mais il faut que cette vitesse elle change selon... Oh la vache. C'est drôle parce que ça c'est des trucs, on a juste, c'est quelques lignes de code pour faire ça, et là je sais pas comment on va régler ça. Exemple, vous allez voir, si je le fais en moins 1, l'objet va se déplacer, vous voyez il va rester collé. Et d'ailleurs, il s'est passé un autre truc bizarre aussi, là, dans cette histoire. C'est que je peux plus bouger mon... Comment ça se fait que je peux plus bouger mon ovni? Ah, si, voilà. Vous voyez, l'objet va tout le temps... il va tout le temps se déplacer vers le bas. Mais il va plus rebondir. Est-ce que...
Et donc là, il va falloir que j'utilise autre chose, hein. La constante, ça va être bien, mais ça va pas suffire. Il va peut-être falloir qu'on utilise des calculs d'angle, de trucs comme ça, quoi. Hein. Je vais voir si je fais un truc aléatoire. Aléatoire. Et je fais n'importe quoi. Hop. Donc on rentre un chiffre ici et lui de toute façon il va nous dire au passage en continu si différent de 0. Ok. Je pense qu'il y a une autre manière que de mettre 25 000 blocs. On aurait dû le placer en catégorie jeu puzzle. Jeu de puzzle et casse-tête. Ah mais c'est sûr qu'il doit y avoir d'autres moyens hein, de faire ça. Et je pensais à ça en fait au début, je me disais bah oui, on va créer une sphère. Et cette sphère, on va lui mettre une valeur constante. Mais j'avais oublié ce côté-là, Y, X ou Z. Et si je le mets sur X par exemple, il va rester comme ça. Donc, on va voir comment, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai vu qu'on avait des. Position, angle, angle, position. Ce nom détermine dans quelle direction se trouve la position correspondant aux valeurs reçues par les ports de position horizontale et verticale en calculant l'angle qu'elle forme. En gros, on lui rend par exemple une constante ici. Est-ce qu'on peut d'ailleurs? Oui. Position horizontale ou verticale. Et. Il s'est complètement barré le truc. Ce qui est super bizarre. Il est allé super vite. Hein. J'ai rentré qu'un calcul valeur. Hein. On n'a pas de paramètres en fait là-dessus. Hein. Détermine dans quelle direction se trouve la position correspondant aux valeurs reçues par le port position horizontale et verticale. Horizontale et verticale. En fait, là, je lui donne des valeurs. Par exemple, bon, bah, on peut aussi lui donner une autre valeur. Tchouk-tchak. Qu'est-ce que j'ai mis comme valeur? Ah, j'ai mis moins 2, en fait, c'est ça. Si on va lui mettre 1. On va mettre 1 et 1. Parce que de toute façon, quand on programme un casse-brique, ça, j'ai déjà programmé hein, un algorithme qui permet de gérer d'ailleurs les collisions, le déplacement des briques, d'une balle, de multi-balles même, en utilisant des tableaux. La balle en fait de base ne bouge jamais que sur un axe, elle bouge toujours sur deux axes, elle bouge toujours sur l'axe X et Y. Ça ne marche pas du tout, on dirait que c'est aimanté, remarquez, c'est assez rigolo. Mais ça va pas être ça. Hein. Ça va pas être ça. Ça va pas être ça. Il va falloir réfléchir. Comment on va faire pour le déplacer comme on veut lui? C'était une bonne idée pourtant ce truc-là. Hein. C'était une bonne idée. Constante, mouvement, changement d'état, objet détruit au commencement. C'est quoi au commencement? On n'a même pas vu ça. Ah ok, pardon. Non, on va virer. Pardon, on va virer. Objet spécial, attache, pivotable, déplaçable, extensible, effet, objet, texte. Ça, c'est nos objets. Chic, émettre, lancer objet, téléporter objet, attirer objet. Pas être ça. Attirer objet, ça, on va. Ça doit fonctionner comme un truc dément. Drapeau, compteur aléatoire, minuteur, cible, calcul d'angle, conversion, valeur absolue, inversion. Alors, l'inversion, c'est ce qu'on pourrait faire, à mon avis. Dans un casse-brique, en général, quand on atteint un bord de l'écran, on change la valeur. On n'est pas en valeur absolue, mais on change justement le plus ou le moins. Par exemple, si on atteint. Si, en gros, l'idée, ça va être si on touche ça, on va faire moins.
Je pense qu'il nous faudrait une inversion. Et je pense qu'il nous faudrait... Il nous faut une constante, hein, c'est obligé. Et d'ailleurs, même, il nous en faudrait deux pour les deux axes. Pour le Z et pour le X. L'idée, ça serait ça. Vous allez voir, je vais tester. On va les mettre tous les deux à 1. On va faire une première valeur sur l'axe des X et une autre valeur sur l'axe des Y. De Z. Et là, vous allez voir, ça va se déplacer en diagonale. Voilà, en montant. Et ce qui est marrant, d'ailleurs, c'est que là, il fait aussi l'inverse de ce qu'on connaît dans la programmation. C'est-à-dire qu'en général, quand on programme, l'écran, on est en 0, 0 ici. Ici, on va être en plus quelque chose. Ici, en plus quelque chose. Et donc, en général, quand on monte, on réduit la valeur. Et ici, c'est l'inverse. C'est-à-dire que quand je monte, j'augmente. Donc, ça, c'est des petites notions. Faut pas vous étonner après si jamais vous avez jamais programmé et que vous vous retrouvez ensuite à utiliser un framework, un outil de programmation, vous allez vous retrouver avec ce genre de soucis. Salut Luigi Mario, on va se retrouver avec ce genre de soucis. Mais bon, c'est pas très grave. L'idée en fait là, ça serait quoi? Ça serait de lui dire. Ça serait de lui dire que, je pense que je vais pas le faire là, hein, je vais revenir sur la leçon de l'autre truc là. Mais le principe, et moi je pense que c'est comme ça qu'on va réussir à trouver une solution sur ça, c'est de dire à partir du moment où tu as touché un mur, tu inverses la valeur. De cette manière-là, quand il va taper là, il va être en moins, donc il va faire ça. Après, il va être en moins, donc il va faire ça, etc. etc., etc. Dans un casse-brique, en fait, le mouvement de base, il est toujours de 45 degrés. On se déplace quasiment de voilà, on se déplace comme ça, en fait, hein, de 1-1, tac, tchac, tchac, tchac. Ça serait l'idée. Je vais travailler là-dessus. Ça sera mon devoir à faire. Alors, ceci étant, on va entamer la 7e étape. Je pense qu'on va essayer de finir les étapes. Et je finirai le live là-dessus. Voilà, voilà. Et puis de toute façon, bon là, il y en a facilement pour une bonne demi-heure. Hein. Et ensuite, on se retrouvera bah, certainement ce soir. Voilà, je pense que j'essaierai un petit peu de bidouillage. Divers et variés. Luigi Mario, j'ai fini toutes les leçons. Eh ben écoute, bravo. Bravo, bravo. Et puis surtout bravo pour les jeux que t'as créés, parce que t'as bien bossé. T'as vraiment fait du super boulot, t'es hyper motivé. Alors, système d'ouverture automatique de la porte secrète. Du coup, tu vas pas apprendre grand-chose sur ce truc-là, puisque t'as déjà vu ça, tu l'as déjà fait en fait. Est-ce que t'as modifié d'ailleurs ça? Le fait que... Parce que moi je me disais ce qui serait bien, c'est de modifier, de remettre à zéro le compteur au bout d'un certain nombre de secondes. Parce qu'en fait là, c'est... c'est Anto FGS qui nous faisait remarquer ça. Si on se met là. Et là en fait, vous voyez, ça a fait le petit bruit là. Salut Progaming, à plus Hydra Hug. Ben, je vais essayer de terminer ces leçons là. Et puis après je vais couper le live. Son ouverture se fera en deux temps. Alors on va se concentrer. Bonjour à vous en tout cas, à tous ceux qui nous rejoignent. Salut à toi Progaming. La porte va reculer vers l'intérieur, puis coulisser sur le côté. Elle va faire comme ça. Tchouk, tchouk, tchouk. Alors, d'abord nous pouvons supprimer les deux notons stick connectés. D'accord, oui on les supprime, on n'en a plus besoin. La porte doit s'ouvrir une fois l'énigme résolue, donc quand la case est détruite et quand la bonne réponse a été entrée. Donc ça c'est bien parce qu'on a déjà... On va juste avoir à relier en fait notre nodon et... Donc ça c'est pas forcément les trucs les plus longs. Pour éviter que notre espace de travail soit trop encombré, on va utiliser des raccourcis. Un raccourci entrée. Alors c'est vrai que le nodon raccourci, c'est super utile. Organisation de la grille de travail. On peut mettre des commentaires aussi, c'est important, ça c'est bien. C'est bien, c'est bien.
Est-ce qu'il y a un mode pour jouer au jeu de la communauté? Alors, il y a un mode, en fait, où on peut rentrer des codes que la communauté partage. Et comme ça, moi, j'ai déjà téléchargé quelques jeux là, de Luigi Mario qui est dans le chat sur Twitch. Donc, on peut se partager nos créations, tout à fait. Alors, il n'y a pas un objet, il n'y a pas un navigateur qui permet de les choisir. Ça viendra peut-être avec le temps, je ne sais pas. Quelle sera leur politique là-dessus? J'en ai absolument aucune idée. Ouvre les paramètres, on va voir les paramètres. Choisis B, pas de problème. Connecte le nodon E au nodon raccourci entrée, pas de problème. Check. Donc ça, ce truc de raccourci là, ça permet d'éviter justement de se tirer des lignes qui traversent tout l'écran. Puisque en gros, ça fonctionne, vous voyez, ça ressemble à une espèce de symbole Wi-Fi. Donc en fait, on fait une entrée, on envoie un signal et on récupère le signal quelque part ailleurs. On va se mettre dans un coin où il y a de l'espace pour installer le mécanisme d'ouverture de porte. Voilà. Et on fait un raccourci ici. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est bien d'avoir rajouté ça. Ça évite d'avoir après des traits qui vont dans tous les sens. Et là, on va se régler sur B. Ça, c'est vraiment cool. Sortie B au rapport. Et donc là, on va régler. Pour commencer, on veut que la porte coulisse vers l'intérieur, donc qu'elle se déplace le long de l'axe X. Nodon compteur au rapport. Ok, on ouvre les paramètres. Série de valeurs. Dans l'intervalle de comptage, place le curseur sur 0 et 60. Ok. Connecte le nodon raccourci sorti au port. Augmenter. Je vais donc compter de 0 à 60. Ensuite, nous allons convertir le nombre du compteur en une distance, celle que la porte secrète doit parcourir. Ouh, que c'est ça, c'est très malin ça. On va utiliser un transposeur qui est dans les conversions. Check. Donc, en fait, on va rentrer les valeurs qui... Donc, les valeurs qu'on peut rentrer, c'est entre 0 et 60. Et on va lui donner d'autres valeurs. En gros, voilà, ici, de 0 à 0,30. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que si on a un 0, ça sera 0,0. Si on a un 0,30, si on a 60, ça fera 0,30. Et si on a la valeur 30, ben, on aura 0,15. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne, ce truc-là. Connecte le port de sortie du nodon compteur au port entrée. Après conversion, le nombre du nodon compteur donnera la distance que la porte secrète doit parcourir. Donc ces valeurs-là, hein, elles sortent pas du chapeau. Vous allez les tester en fait en général. Hein. Vous allez tester selon la taille de votre objet, la position. Voilà, c'est des trucs. C'est pas des trucs qu'on calcule mentalement, c'est des choses qu'on teste hein, en général. Là, ils nous les donnent comme ça ces valeurs parce qu'ils savent quelle valeur il faut qu'on utilise pour avoir le résultat voulu. Mais vous, quand vous allez faire ce genre de manipulation, en général, vous allez tâtonner un peu. Et c'est complètement normal. Il faut qu'on transmette cette distance au nodon attache coulisse libre. Donc, raccourci entrée. On va encore refaire un raccourci. En fait, là, vraiment, ils nous apprennent ici à abuser, utiliser souvent la CX. Alors pourquoi on l'appelle X? Justement parce que ça s'appelle la X. Ça, c'est un truc très important aussi qu'on apprend en programmation. C'est qu'il faut que nos valeurs, quand on les nomme, elles veuillent dire quelque chose. Alors, c'est pas évident parce que là, en fait, on ne nomme pas les nodons. Mais par exemple, là, sur les raccourcis, effectivement, c'est plus malin de dire que ce nodon-là, on va l'appeler X. Parce que quand on va le voir, imaginez dans une semaine, vous travaillez sur un jeu, ça va pas vous prendre 2 heures. Hein. Vous allez des fois y passer une semaine. Imaginez un jeu un peu plus gros, vous allez peut-être passer plus de temps. Et quand vous revenez sur votre espace de travail, bah, c'est bien de pouvoir se rappeler à quoi correspondent les nodons. Et ici, bah, pour le coup, c'est pour ça qu'il y a des espaces de commentaires aussi. On peut rentrer des commentaires. Et n'hésitez pas à le faire, ça c'est super important. Pas sur des tout petits projets, mais sur des projets un petit peu plus importants. Ça va être quelque chose d'intéressant à faire. Alors, on connecte le nodon transposé raccourci entrée.
Et ensuite, on va recréer une autre sortie quelque part. Voilà. C'est ici que ça se passe. Et on va, ça va être le X. Hein. On va dans les paramètres, on va mettre X. J'attends le signal pour transmettre la distance convertie par transposition. Connecte le nodon raccourci au nodon attache coulisse libre. Voilà, donc globalement, quand les conditions vont être remplies, lui il transmet la valeur, il la transpose. Il compte, il transpose. Et il nous fait le truc. Détruit la caisse. Pas de problème, 26. Oh. Ça a bougé. Ah, je peux pas rentrer. Ce n'était que la première étape. Il nous reste encore à faire en sorte que la porte coulisse sur le côté. Et puis, il faudra rajouter des sons aussi. C'est un peu pénible d'entrer la réponse avec le bouton à chaque fois qu'on veut tester le mouvement de la porte, non? Oui. Pour éviter ça, on va faire en sorte que la porte s'ouvre dès qu'on arrive sur l'écran de jeu. Donc, une fois encore, tout ça, c'est pour vous apprendre à faire des outils de débugage pour aller vite vérifier vos fonctions. Alors, une nodon constante qu'on place dans le cadre bleu, c'est parti. Tchac, tchac. Les jeux d'Edward Dowdy, tu peux m'aider à réussir le point de contrôle 5? Je l'ai pas fait encore, donc mais je pourrais certainement t'aider. J'espère que je pourrais t'aider. Parce que là, je suis à la leçon 5, donc j'ai pas fait encore le point de contrôle 5. Connecte ce nodon constante au port augmenté du nodon compteur. Il est où mon compteur? Il est là, mon compteur? Voilà. Le signal que j'enverrai au nodon compteur restera aussi constant. Ok, donc lui, il va... En fait, voilà, on n'aura plus à appuyer sur le bouton. Ça va augmenter tout seul. Et puis, vous voyez, tchac. Voilà. Donc c'est très bien. C'est vraiment ça qu'il faut faire aussi hein, quand vous faites des jeux. Mettez-vous en condition pour tester rapidement et facilement les fonctionnalités que vous voulez mettre en place. Ce qu'on veut maintenant, c'est que la porte coulisse sur le côté le long de l'axe Z. Attention, il faut qu'elle fasse ça après avoir terminé son premier mouvement. Il faut donc commencer par vérifier si le premier mouvement est fini ou pas. Allez, le nodon comparaison, youpla, boum, égale, on va le placer là. Une constante. Donc on va vérifier en fait que la constante est à 60, puisque après elle est transposée. Hein. Voilà, c'est ça, 60. Tchac. Connecte le port de sortie. Donc on va comparer le nodon compteur. On va comparer ça avec la constante ici. Il faut que ça soit égal. Et on va pouvoir programmer, en fait on va se servir de ça pour refaire un compteur. Où es-tu? Tu es là. On va ouvrir les paramètres. Série de valeurs, on va se mettre à 180. 180 ça correspond ça à un angle. Le nodon de compteur de tout à l'heure allait à 0 à 60, donc celui-ci comptera pendant 3 fois plus longtemps. Connecte le port de sortie sur le port augmenté. Donc lui il comptera que quand lui il aura compté. Hein. Maintenant il faut convertir le nombre compté en distance. On va refaire un transposé. Transposé. C'est conversion. Transposé. On oublie les paramètres. 0 à 180 dans l'amplitude d'entrée. Tchac, tchac, tchac. Et l'amplitude, moins 320 à 0. Donc une fois encore, hein, ça, c'est pas des valeurs qui sortent du chapeau, c'est des trucs qu'ils ont testés pour que ça marche.
Sélectionne maintenant. Ah, pour que la transposition soit inversée. Une entrée 0 donnera 0. D'accord, on inverse en fait. C'est-à-dire que ça, qui d'habitude donnerait ça, en activant ça, ça veut dire que quand on est à 0 ici, on va prendre cette valeur-là. Et quand on est à 180 ici, on mettra la valeur ici. Alors ça, c'est pareil. Hein. Vous prenez pas la tête, là, dans les leçons, faites comme ils disent. C'est des valeurs qu'ils ont testées hein, pour que ça marche. Ils ont pas... C'est pas des trucs qu'on peut deviner, c'est des trucs qu'on teste. Et c'est ce que vous allez faire très souvent, hein. Comme vous m'avez vu d'ailleurs un petit peu là, galérer sur le truc là, du casse-brique, là, enfin du proto de casse-brique, même pas encore, il n'y a même pas de brique. Mais voilà, on teste, on pose un nodon, on le règle, on teste avec la manette, on voit ce que ça donne, etc. etc. Appeler un nodon raccourci, le fameux raccourci. Entrée. Et là, on va l'appeler, je pense, ça va être du Y, du Z. Non, c'est du Z, à mon avis, je pense. Pardon, c'est le paramètre. Ouais, c'est ça, Z. Hop. Et on va faire pareil que tout à l'heure. Organisation de la grille de travail. Raccourci. Z. Youpla. On va le mettre sur Z. Ça, c'est génial. Ce truc-là. C'est vraiment excellent. Tout est prêt pour transmettre. Connecte le nom raccourci sorti port Z de la tâche coulisse. Ici. Alors, il faudra regarder combien ça consomme de nos dons, ça. Mais effectivement, c'est vachement bien de ne pas se retrouver avec des flèches dans tous les coins. La porte devrait s'ouvrir toute seule maintenant. Et si tu allais vérifier à l'écran que je fais mon travail, c'est parti. Et voilà. Très classe. Il me faut du son. Ok. La pièce tremble lorsque vous entendez grandement les rouages. Ouais, je pense qu'ils vont nous faire rajouter un petit son, des petits trucs comme ça, quoi. Ok, bah écoutez, on va s'occuper de cette étape directement, hein, et puis comme ça, ça sera fait. Je pense qu'ils vont nous faire rajouter des petits sons. La dernière fois, nous avons fait en sorte que la porte secrète s'ouvre automatiquement, donc maintenant, on va améliorer encore la séquence d'ouverture de la porte. On va faire en sorte qu'un effet se déclenche quand la porte a fini de s'ouvrir. Ce qui revient à dire que quand le nodon compteur a fini de compter jusqu'à 180, on va faire quelque chose. Donc comparaison. Check. Constante. Donc on va comparer qu'on est bien à 180. Mon jeu FPS d'énigmes plateforme avance. Ah c'est cool ça Luigi Mario. Bah écoute j'ai hâte de voir ça. Tu passes combien de temps sur le jeu actuellement là? Parce que je vois que t'as fait vraiment beaucoup de jeux. En peu de temps en fait. Il est temps de mettre en place l'effet qui se déclenchera une fois la porte complètement ouverte. Appelle un nodon effet de type serpentin. Oui, non, on veut des serpentins. Allez, effet. C'est où les effets déjà? Spécial? C'est spécial. Serpentin. Connecte le port de sortie au nodon déclenché. Sonore, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Évidemment, on va rajouter du son. Sound design. Si on le connecte à un nodon non, celui-ci enverra un signal tant que la porte n'aura pas fini de s'ouvrir. Appelle un nodon non et place-le dans le cadre bleu. Où es-tu, nodon non? C'est logique, hein. Logique, c'est logique.
Logique, c'est logique. Boum, l'entrée, donc ça, non. Et produire un son. Effet sonore. On va aller dans les paramètres. Machine, engolonnage. Catégorie machine, c'est où? C'est là. Oh, le petit bruit. Piou. Allez, engrenage. Les jeux d'Edouard, je vais à la piscine pour voir mon ami, je regarderai la réponse plus tard. Je sais pas si je vais faire la réponse, je ferai pas le point de contrôle tout de suite, hein, je le ferai plutôt ce soir, moi. Parce qu'après, quand j'aurai terminé la leçon 5, je vais couper le live. Donc je ferai l'étape de vérification des points de contrôle, je la ferai plutôt ce soir, je vais redémarrer un live ce soir, à mon avis, vers 21h30, je pense, plutôt 21h30 d'ailleurs. 21h30 ou 22h, je pense, quelque chose dans le genre. Et donc je pense que je commencerai justement par le point de contrôle pour me faire une petite révision. Donc voilà, voilà, t'auras pas la réponse tout de suite. Et puis j'espère que je vais la trouver, je vais peut-être bloquer. Hein. Bon, jusqu'à présent, ça s'est bien passé. Alors, on connecte le nodon non au port lecture, c'est parti. En tout cas, merci d'être passé. Et peut-être... Ah, ça rend pas mal, ça. Pourquoi on peut dire au revoir à ce nom constant, on n'a plus besoin de lui déjà. Désormais, la porte ne s'ouvrira que quand l'énigme aura été résolue comme avant. Et oui, on entend le bruit de l'engrenage alors que la porte ne bouge même pas. Ah non, c'est pas possible ça. Nous avons fait en sorte que l'effet sonore soit joué tant que la porte n'est pas ouverte. Or, la porte n'est pas ouverte, donc l'effet joue. C'est bien, ils nous ont fait des petits bugs exprès pour qu'on les règle. Enfin, qu'on se rende compte que ça peut arriver, ce genre de truc. Un peu de silence. Après que l'énigme a été résolue, mais avant que la porte ait fini d'ouvrir, deux conditions doivent être remplies, donc on va avoir un « et » quelque part, je pense. Quand on veut surveiller deux choses en même temps, on utilise un nodon et appelle-en un et mets-le dans ce cadre. Où es-tu? Logique. Alors... D'accord. Cool, on peut en faire une copie et le relier ici. Donc ici, on va comparer ça et ça. Bon, après, quand le programme est bien organisé, c'est cool. Hein. Mais voilà, vous imaginez bien qu'on peut se perdre extrêmement facilement dans tout ce raisonnement pour dire ah non, comment je fais, qu'est-ce qu'il faut que je relie à quoi. D'où la nécessité vraiment de prendre des notes. Moi, je vous incite vraiment à ça. Achetez-vous, si vous n'avez pas ça, mais je pense que vous devez avoir ça chez vous. Un petit carnet, à petits carreaux sur lequel vous faites des dessins, vous prenez des notes. Quand vous faites un jeu, c'est hyper important. Et vous mettez les différentes étapes. Vous devez écrire ça. Écrivez votre jeu, en fait, en phrases simples, mais du style, quand je bouge mon paddle, je veux qu'il bouge, que mon bloc bouge à droite et à gauche, par exemple. Ce genre de truc. Même si ça vous paraît bête, faites-le, parce que vous allez voir, quand vous allez bosser sur des jeux, ça va vachement vous aider pour vous repérer ensuite. Parce que quand après, sinon, vous allez, on peut très vite se perdre. Hein, ça, donc, prenez cette habitude-là, à la limite, par lecture. Donc, prenez-vous un petit carnet et notez à chaque fois les étapes, différentes étapes de votre jeu. Et vous pouvez même faire des petits diagrammes. Après, il y a des logiciels qui existent aussi hein, sur ordinateur qui font ça très bien. Mais je pense que le papier, le carnet, tout ça, c'est quand même vachement bien. Pour aussi une autre raison, c'est que quand vous n'êtes pas chez vous, par exemple, je sais pas, vous faites un tour dehors, vous avez votre carnet avec vous, vous avez une idée, vous pouvez vous la noter.
Et quand vous revenez après, bah, vous allez tester quoi. Ok, on va faire la dernière étape. Alors, on aurait bien aimé voir un coffre là-dedans et tout ça. Le trésor de la pièce cachée. Ah, il va me laisser mettre le trésor que je veux. C'est cool. On va le choisir ensemble. Pour cette dernière étape qui va marquer donc la fin de ce live. Allez, c'est parti. Il nous a fallu beaucoup de temps et d'efforts, mais nous voilà à la dernière étape de la chambre des mystères. Pour terminer, nous allons ajouter une musique de fond et, bien sûr, le trésor. Musique de fond. Musique de fond. Le no-don-non que nous avons ici émet un signal tant que la porte n'est pas complètement ouverte. Donc en gros, c'est cool parce que tout est en place en fait pour qu'on puisse dire ok, là on va jouer un son et là un autre. Là par exemple, ça sera celui-là. Mais si lui il est plus actif, je pense qu'on passera ici et on jouera un autre son quoi. Qu'est-ce qui. On va pas toucher au morceau qui accompagne la résolution de l'énigme. On va s'occuper de la musique qui se déclenchera après la résolution de l'énigme quand le joueur aura trouvé le trésor. On appelle tout de suite notre autre nodon. Ah, c'est ici, c'est la comparaison. On va connecter ce nodon au port lecture ici. Ah, effectivement, serpentin, musique. Résolu, on joue cette musique. Pas résolu, on joue cette musique. Alors, paramètres en musique de fond. Où vous voulez le nodon ? Paramètres. Héroïsme. Ok, on va mettre ça. Ah, excellent, j'ai fait bugger le jeu. C'est bien, on a des trucs à améliorer. Hein. J'ai appuyé trop vite, donc ça a bloqué le... En fait, c'est pas un égal qu'il aurait fallu. C'est un supérieur. Attendez. Oui, c'est ça, c'est un supérieur ou égal. C'est-à-dire que si je suis à 26 ou plus, ça s'ouvre. Là, je suis passé direct à 27, ça a bloqué le mécanisme. Je laisserai choisir la musique que tu veux mettre dans ton jeu. Alors, nodon, texture. Ah, il va me faire comme d'hab, il va me faire dessiner, mais je suis une quiche, moi. Objet spécial, non ? Texture. Passe en vue de côté. Dans la pièce cachée se trouve le trésor que votre cœur a toujours convoité. Dessine l'objet que tu voudrais comme trésor. Sans que tu aies besoin d'attacher à votre objet. Tu peux faire un dessin, je vais te montrer comment ça marche. On l'a déjà fait pourtant. Il va me montrer des nouveaux trucs. On verra mieux ton dessin si tu utilises des couleurs vives. Vas-y, dessine quelque chose, laisse parler de ton imagination. Alors, c'est quoi? On va prendre... Ploup, ploup. Un gros carré comme ça. Alors, on va mettre des cheveux. Ah, j'ai pas la bonne couleur. Voilà, c'est moche. Oh, que c'est laid. Allez. On va se faire un petit truc bien dégueulasse. On va dire que c'est des cheveux, hein, d'accord. Oh my god. J'aurais pas dû prendre cette couleur-là, en fait. J'aurais dû prendre du rose. Oh, ici, là. Ah, c'est immonde. Attends, je peux pas couper ça, là.
Bon, c'est pas grave. On va laisser comme ça. What? Qu'est-ce que c'est? C'est un visage moche. Allez, ouvre la porte cachée. Moi, je pensais qu'on allait juste mettre un petit asset. Salut, Paul Gamer. Ton chef-d'œuvre est apparu au grand jour. Voilà donc ce que verra le joueur quand Trésor apparaîtra en jeu. Très beau. Avec la musique qui va bien en plus, ça tape. C'est perfect. Ok, donc le truc c'est que je vais pas pouvoir faire à chaque fois, je veux modifier des choses mais je peux pas vraiment les modifier. Par exemple là je peux modifier ça mais c'est pas ce que j'aimerais faire là en fait. J'aimerais plutôt... j'aurais préféré mettre un assets en fait là-dessus, ça aurait été plus cool. On n'a pas un truc clear tout simplement? Si c'est ça peut-être. Ah yes, c'est ça clear. Donc, allez. On va essayer un petit truc. Je changerai la couleur avant ou après. Faut pas que je le mette en noir de toute façon. On va essayer. Oups. Hop. Voilà, on va mettre ça. C'est bien dégueulasse comme il faut. Sans modèle. Ok. Donc de toute façon on peut pas changer des tonnes de trucs là, je peux changer la musique, je peux changer ça. Alors ce qu'il faut savoir c'est que là si je voulais changer, parce que tout à l'heure on a vu qu'on avait un bug, et ce bug on peut le corriger, pour le corriger en fait ce qu'il faut faire c'est copier le jeu qu'on a fait là, avec la leçon. Et une fois que c'est fait, là vous pouvez modifier ce que vous voulez. Donc là on peut rajouter une condition, parce que je vais remontrer le bug, vous allez voir. Si je tape très très vite, je pète le mécanisme et là je peux plus revenir. Donc en fait il y a deux choses qu'on pourrait régler pour c'est Krillin version Wii. Quand j'aurai le jeu je dessinerai le Sharingan. Ok Paul. Donc là en fait pour régler ce bug, on a deux options. Moi je mettrais deux choses en fait pour ça. La première c'est que La première, c'est que je mettrais juste dans la vérification du chiffre, non pas égal. Je mettrais pas égal, mais je mettrais supérieur. C'est-à-dire que si c'est supérieur ou égal à 26, dans ce cas-là, on déclenche l'ouverture du mur. Là, actuellement, ça empêcherait ce bug-là d'arriver. Également, ce qu'on pourrait faire, c'est aussi mettre un timer qui permettrait de réinitialiser le compteur ici, et comme ça on pourrait tout à fait se dire voilà, au bout de 10 secondes si on n'a rien fait on réinitialise le truc, et ça éviterait de se retrouver dans ce genre de situation. Voilà, tout simplement. Hello Pascal, j'ai le cerveau qui bouge, je vais me baigner. Eh ben écoute, profite bien, moi je vais couper le live et puis je pense qu'on va se retrouver. Je pense pas aller me baigner là. Mais par contre j'irai prendre l'air, ça c'est sûr. Donc on peut se retrouver j'imagine d'ici une petite heure. Voilà voilà. Rimano, mais si tu mets supérieur, l'énigme n'a aucun intérêt. C'est vrai Rimano, mais tu vois là on se retrouve dans un cas où ça bug quand même. Donc il faut, ou alors il faudrait deux boutons. Il faudrait ajouter un deuxième bouton dans ce cas-là.
Et effectivement, comme tu dis, on rajoutera un bouton pour descendre le chiffre et ça serait mieux. Donc, c'est une idée, effectivement. Parce qu'il y a aussi ce truc-là, hein. Par exemple, là, si je le mets à 26 et que je pète la caisse, ça s'ouvre. Oh, j'ose pas y aller, ça fait trop peur. Je vais me cacher derrière la télé. Donc, voilà. Bon, après, on a plein de choses à faire. Mais en tout cas, c'était une très bonne leçon qui a permis donc de travailler sur du sound design, un petit peu de build. Ça a montré pas mal de choses au niveau des organisations, l'organisation du code. Et perso, j'ai fini le jeu et j'ai mis deux boutons. Ok, donc tu l'as recopié. T'as recopié le truc, hein, j'imagine. Et t'as mis deux boutons. Mais c'est très bien. Je pense que ta solution est certainement la meilleure. Puisqu'effectivement, il faut que le chiffre soit précis, quoi. Paul Gamer, tu feras un React Nintendo Direct eCube. Non, je fais pas ça. Des fois, je regarde les conférences. Des fois, je les regarde pas. Je les regarde pas en entier. J'aime pas particulièrement réagir à chaud parce qu'en général on. L'eCube en fait on nous montre des prototypes plus ou moins avancés. Donc réagir sur des jeux qui sont même pas finis. Honnêtement quand je vois des youtubeurs qui font ça et qui sont là avec la liste des gens qui font des commentaires genre ah c'est moche, nul, etc. Je trouve que ça a aucun intérêt. En plus, souvent, quand les développeurs parlent, parce que souvent, en fait, c'est l'occasion en plus d'entendre parler des développeurs, bien souvent, c'est pas vraiment commenté. Donc, en fait, je trouve ça assez bizarre, moi, faire du React sur des événements. Moi, quand j'étais journaliste en presse jeux vidéo, on allait dans ces conférences-là, physiquement, et quand on y allait, qu'est-ce qui se passait? On écoutait ce qui se passait, on regardait les trailers. On faisait pas de commentaires à ce moment-là. On prenait ça, on analysait ça ensuite, on en parlait entre nous et on allait voir les développeurs ou les éditeurs pour en parler avec eux quand on arrivait à avoir des interviews. On faisait pas de réaction à chaud comme ça, quoi. Bref, c'est pas un truc qui m'intéresse de faire plus que ça, en fait. Donc voilà, d'autant que tu as des modèles de flèches donc tu peux mettre dans les deux sens. Ok, Karimiano. Ouais, j'ai pas vu tous les modèles. De toute façon, honnêtement, j'ai rien vu du... J'ai pas vu grand chose, l'énigme était déjà assez compliqué en soi, mais on va continuer là. Il ne te reste plus qu'à ajouter la chambre des mystères à la liste de jeux. On se retrouve dans le menu. Allez, c'est parti. En tout cas, nous... notre jeu est gold. Ce qui est plutôt sympa, c'est qu'on a un petit peu avancé sur le principe du casse-brique. Donc ça, c'est bien. Il va falloir qu'on règle les histoires de gravité, de déplacement, de vitesse. Tu pourrais peut-être montrer la chambre des mystères à quelqu'un. Mais non. Mais j'ai pas envie. Allez, il nous restera deux leçons à faire. Plus. Évidemment, il nous restera ça aussi à faire. Le point de contrôle 5, je sais plus. Je me souviens plus de ton pseudo. Le pseudo de le point de contrôle 5. Apparemment, ça a l'air un petit peu plus tendu. Hein, donc, on le fera ce soir en live. Donc voilà, je vais me casser la tête sur ça, parce qu'apparemment, s'il y a des gens qui bloquent, c'est que ça ne va pas être si simple que ça. Et puis, on va bidouiller, je pense qu'on bidouillera un petit peu sur notre principe de casse-brique. Donc là, j'ai changé, hein, j'ai pu utiliser le lanceur. Vous savez quoi? Juste pour rigoler avant de couper le live, je vais mettre le lanceur. C'est où le lanceur? Je ne sais même plus où il est. Il n'est pas là. C'est un objet. C'est lancer objet. Tiens, on va se mettre avec 10. Plouf, là. On va le mettre là. Mobile. Donc visible, non. Solide, non. Destructible ou destructeur, on va le mettre comme ça. Mobile. Marc, c'est la propriété de l'objet lancé, ça. Hein. Par contre, il faut qu'il soit visible et solide. Hein. Attendez, on va voir. Vitesse de lancement. Ah tiens, il est là. Voilà, et donc l'idée, ça va être de trouver une solution. Il nous en fout plein des boules. Tic, tic, tic.
L'idée, ça va être de travailler un petit peu sur ça. On va essayer de trouver des solutions pour qu'on arrive à faire quelque chose qui ressemble à un jeu. Voilà, j'avais d'autres choses, d'autres petits trucs à bidouiller aussi, comme par exemple ceci. Je voulais travailler avec le gyroscope et je voulais faire un petit truc par rapport à ça. Et là, il fallait que je gère avec les capteurs, donc voilà. Je pense que je bidouillerai un petit peu entre les deux. On va essayer des nodons, on va tester tout ça. On va s'amuser avec ça. Et vous voyez là, en fait, j'ai mon capteur qui est sur la boule en fait. Hein. C'est pour ça que ça fait comme un liseré blanc autour de la boule. Piouf, piouf. Donc voilà, on s'amusera à régler des petites choses là-dessus. Et puis voilà, n'hésitez pas, surtout, bah, si vous avez des jeux à partager, n'hésitez pas à venir sur le Discord, à me donner votre code. Comme ça, on peut aussi tester des jeux, ça peut être sympa, on peut parler de tout ça. Je l'ai fait avec Luigi, Mario, qui était là tout à l'heure, qui est peut-être encore là sur Twitch. Et voilà, j'ai déjà essayé plusieurs de ses créations et c'est assez chouette, c'est vraiment très sympa. Il bosse comme un fou, il nous fait des trucs avec des caméras qui bougent dans tous les sens. Voilà, c'est le genre de truc qui motive à bosser et à se créer des petits jeux, des petits protos. Donc voilà, et c'est comme ça qu'on progresse, hein. C'est en faisant plein de protos, plein de jeux, plein de petits trucs. Au fur et à mesure, on avance sur des projets de plus en plus complexes. Son jeu, il est vraiment chouette. Hein. Yeah, là, 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 là. J'ai déjà essayé de le finir, mais j'ai pas réussi. Là, il nous a mis des plateformes destructibles. Et j'étais bloqué là, moi. En fait. Je me suis retrouvé bloqué ici. Parce que là, si je marche là, je vais mourir. Alors à moins qu'il faut que j'aille là-dessus, ça marche pas. Ou alors il faut que j'aille sur certaines mais pas d'autres. Je sais pas s'il faut que j'aille sur les bleus ou pas. En fait. Ah c'est ça. Faut pas que j'aille sur les rouges en fait, je pense. Oh yes. Eh ben ça y est, je suis mort. Ok. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, donc je vous laisse. Je vais sortir. Je vais me remettre là. Comme ceci. Donc je vous laisse, merci à tous, merci à toutes d'avoir été là. On se retrouve donc si vous le voulez bien, si vous êtes dispo, ce soir je ferai un live je pense de 2 heures aussi. Et donc comme je vous disais, voilà, on va faire le point de contrôle numéro 5, on va bidouiller un petit peu sur différents petits projets pour tester les nodons, tester les mécanismes et voir si on peut éventuellement en faire des petits jeux. Et puis, selon comment ça se passe, peut-être que je démarrerai la leçon 6. Il reste la leçon 6, la leçon 7 à faire. Et après, ce sera que du travail à faire sur des petits protos. Voilà, merci, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Profitez bien, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.